Salam alaikum, salam Zulfilawen, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier. Ce qu'on va faire, on va. Ouais, on lit tes messages, guerriers du désert. Salam alaikum à toutes et à tous. Je suis obligé de lancer le live aussi sur Russie Kada DZ, la chaîne principale, pour dire aux gens de venir, parce qu'ils ne sont pas très réceptifs comme ça, c'est un peu compliqué. J'ai partagé le lien, mais apparemment, c'est pas. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc on va essayer de faire ça différemment. Mais avec le temps, quand il y aura plus d'abonnés ici, ce ne sera pas un problème. En tout cas, ça fait très plaisir de vous retrouver, les amis. Bon, de vous retrouver, ça fait pas longtemps non plus. Mais ça fait plaisir. Ramadan. On rentre dans les 10 derniers jours. N'oubliez pas. N'oubliez pas de prier toute la nuit, les amis. C'est peut-être la nuit du destin ce soir. Les 10 dernières nuits, là, profitez. Hein. Profitez, 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 les doigts. Notamment pour nos frères et sœurs en Palestine occupée et tous les musulmans dans le monde qui sont persécutés, bien évidemment. Ma voix change. Ma voix, elle est différente sur l'autre parce que c'est sur smartphone, au fait. C'est pour ça. Voilà. Salam alaikum à toutes et à tous. Hein. Juste un instant. Je vais lancer le live sur Russikada DZ. J'ai pas le choix pour dire aux gens de venir ici. Hein. Pour dire aux gens de venir ici, les amis, je n'ai pas trop le choix. Sinon, ils viendront pas. Alors, ah, comment on fait ça? Tac, voilà. Un suivant, on fait ça comme ça. Et donc, on va passer au direct. Voilà, donc là, je suis en direct sur les deux chaînes. On va dire aux gens, Russikada DZ, de venir sur Russikada TV. Oui, Araïha. Salam alaikum à toutes et à tous. Dans 5 minutes, je vous partage le lien. Voilà. Donc, on a commencé tard, mais bon, c'est le Ramadan. En plus, ce soir, on change d'heure. Hein. Attention au changement d'heure. Hein. Ceux qui sont ici en France, notamment, ce soir, on passe à l'heure d'été. Donc, du coup, demain, le Maghreb, il sera plus tard. Mais, comment dire? Mais le Fajr, 1 heure plus tard aussi. Donc, faut régler vos montres. Hein. Voilà quoi. Salam alaikum à toutes et à tous. Donc, ce soir, on passe à l'heure d'été. Donc, du coup, il faudra à chaque fois préciser à nouveau. Heure algérienne, heure française, jusqu'à fin octobre, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà. Donc, les prochains matchs de l'équipe d'Algérie, il faudra préciser. Heure d'été, heure d'hiver. Mois de juin, Inch'Allah. Les gens, ils vont dire oui, mais Khalid, c'est que dans 2 mois les matchs. Là, on est le 31, ça y est, on est le 31 mars. Eh ben, ça va venir très vite. Hein. Lundi, on est en avril. Mois de mai, fin du mois de mai, dernière semaine, on aura la liste. Ça va venir très vite, les amis. Vous allez rien comprendre. Rosicada DZ, les amis. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà. J'espère que vous allez bien là sur Rosicada DZ. Je vous invite à venir sur Rosicada TV, bien évidemment. Ouais, je l'ai regardé là, il n'y a même pas une demi-heure. J'ai regardé Touko. Ah, Yanis, c'est un sacré celui-là. Combat de sumo. Bon, les gens diront que ce n'était pas le même gabarit, mais au sumo, c'est comme ça. Hein. Salem, en défense, tu vois qui en joue? Je ne sais pas. Comme disait mon grand-père, Allah yarhamou, dès le premier jour du Ramadan, demain, c'est l'Aïd. Ouais, exactement. Ouais. Rabbi Rahmo. Allah tous ceux et celles qui nous ont quittés. Rabbi Rahmo. Ya Rabbi, on les retrouvera. Fil Jannah. T'as vu les histoires de vaches rouges? Non, mais je ne vais même pas parler de ça. Je ne vais même pas parler de ça. On se comprend. Alors, guerrier du désert en défense, je ne sais pas. Moi, j'ai proposé. Salam Face. Je suis de l'autre côté. Hein. Russikada TV. Les amis, tous ceux qui sont là sur Russikada DZ, je vous invite à venir sur YouTube Russikada TV. YouTube Russikada TV. Face, si tu peux écrire en majuscule Russikada espace TV. Voilà. Comme ça, les gens, ils savent. Salam alaikum à toutes et à tous. Salam. La date du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025, ça devrait être là, au courant avril, je pense, hein. Sachant que les qualifs débutent en septembre, là, courant avril. Courant avril. Et d'ailleurs, on aura peut-être des nouvelles aussi sur quand aura lieu la compétition aussi. Hein. Je vous rappelle que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc auront lieu
en septembre, 2 matchs. En octobre, 2 matchs. Et en novembre, 2 matchs. Ça me rappelle un petit peu, merci beaucoup Face, ça me rappelle un petit peu pour la CAN 2015. Quand Vahid il est parti, Gourcuff il est venu, directement en septembre, il y a eu 2 matchs, octobre 2 matchs, novembre 2 matchs. Et il y a eu le cas aussi par la suite, hein. Je crois que Belmadi c'est arrivé aussi, hein. Donc voilà. Non, non, avec Belmadi, c'était différent parce qu'il y avait un mélange Coupe du Monde. C'était un peu galère. CAF Coupe du Monde, CAF Coupe d'Afrique. Rappelez-vous, hein. Salam alaikum. Tu penses quoi de la propagande Moussa Ben Zaïd? C'est quoi la propagande? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe avec Ben Zaïd? Les amis, Russicada DZ, venez sur Russicada TV, YouTube. Russicada TV, je suis en live sur Russicada TV. Là, je vais bientôt arrêter le live ici. Je vous invite à venir sur Russicada TV. Voilà. De toute façon, il l'a noté Face dans les commentaires. Venez sur Russicada TV. Défense, gros problème. En plus, blessure, Ben Sebaini, il faudrait trouver un truc efficace. Ça va passer vite. Ça va aller très très vite, Face. C'est ça le problème. Ah, ma bouteille d'eau, elle est là. C'est bon. Ça va aller très vite. Ça va être compliqué. Je vous invite à tous venir sur Rossicada TV, hein, la chaîne YouTube Rossicada TV. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas. Entre les supporters qui veulent la peau de Brahimi et les médias qui veulent Belmadi, j'en peux plus. T'as vu? T'as vu? C'est pour ça que j'ai fait la vidéo, j'ai essayé d'expliquer un petit peu les choses. Mais tu le vois que même certains youtubeurs, mais c'est clair comme de l'eau de roche, hein, t'as des youtubeurs qui marchent clairement pour un clan. Moi, il n'y a pas de clan. Moi, mon clan, c'est l'Algérie. Donc voilà. Pourquoi on ne fait pas appel à Samir Cherghi, titulaire indiscutable au Paris FC? D'ailleurs, Paris FC, je les ai laissés gagner 3-2. Il restait même pas 10 minutes à Bordeaux. Ils ont gagné ou pas? Et d'ailleurs, Kebal, il a marqué, je crois. Russicada TV, DZ, pardon. Venez tous sur la chaîne YouTube Russicada TV. Je suis en direct sur Russicada TV. Skikda, exactement. Ben, ils ont gagné, ça fait plaisir, mais bon. On parlera aussi des incidents qui ont eu lieu à Annaba hier, lors du 8. Ah, ils ont égalisé Bordeaux. Oh là 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 là. Les incidents qui ont eu lieu hier entre Annaba et Constantine, donc 8e de finale Derby de l'Est, 8e de finale de la Coupe d'Algérie, victoire de Constantine à Annaba 2-0. Il y a eu des incidents, il y a eu malheureusement, ils ont dégradé le stade une fois de plus. Et ils ont apparemment, les supporters de Annaba ont explosé plusieurs véhicules dehors, matricule 25, donc de Constantine, en plein Ramadan, pour du football. Et en plus, voilà, des stades, vous dépensez des sommes conséquentes. Et... Pff, aïe, aïe, aïe. Moi, je vous dis, il y a des stades, ils vont pas tenir. Hein. Si certains clubs jouent dans certains stades, les stades ne tiendront pas, les amis. Bon, là, c'est. Je comprends d'un côté pourquoi la fédération choisit de prendre Baraki comme stade de l'équipe nationale et ils sont tranquilles. Ouais, c'était la catastrophe hier. Hein. Franchement, c'est chaud. Ceux qui sont ici là sur Russicada DZ, venez sur Russicada TV, chaîne YouTube Russicada TV. N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à liker. Exactement, Cardozo. N'hésitez pas à liker, les amis. Hein. N'hésitez surtout pas. Que certains ne viennent pas se plaindre dans leurs conditions de vie au bled. Depuis la CAN, certains supporters me tapent sur les nerfs. Ils font partie des clans juste par intérêt. Écoute, il y a des youtubeurs qui font partie de certains clans. Je peux même te dire qu'il y a des youtubeurs qui sont payés. Il y a des youtubeurs qui sont payés. Mais voilà, c'est. Rabbi Yahdihoum, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Déjà, il ne faut pas faire de comparatif entre Belmadi et l'actuel sélectionneur Vladimir Petkovic. Excusez-moi, mais en 2 matchs, on ne va pas comparer à quelqu'un qui a fait je ne sais combien de matchs, le recordman de matchs en équipe d'Algérie. Après le club de Annaba, bon après, ils sont en... Ouais, c'est... Voilà quoi. Pourquoi t'es camouflé? En quoi je suis camouflé à part mes lunettes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai peur de Rabbi Sprano, c'est tout. Je vous invite à venir sur Russicada TV, les amis. Russicada TV, la chaîne YouTube Russicada TV. Je suis en direct actuellement. Voilà. On attend quelques minutes et après,
On passe à autre chose. Salut Foxy Gacha. Avec Petkovic, j'ai remarqué qu'ils aiment qu'il y ait beaucoup de présence dans la surface adverse. Ouais. Salam alaikum Berry, salam. Rouya, tu dois être pro équipe nationale algérienne, point barre. Exactement, exactement. Quand il faut critiquer, on critique. Quand on encourage, on encourage. Nous, on est des simples supporters. On donne notre avis. Et en plus, tu jures pendant le ramadan. C'est un truc de fou, hein. C'est dingue, hein. Ouais, je suis recherché, exactement. Je suis recherché par le Père Noël. Merci beaucoup, Foxy Gacha. Merci beaucoup. Amine, 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 exactement. N'hésitez pas à venir sur Rusikada TV. Salam alaikum, l'entraîneur qui a giflé les joueurs des suites depuis, merci à vous. Salam alaikum, il est maintenu à son poste pour l'instant. Il est maintenu à son poste. Il s'est excusé, il est maintenu à son poste. Donc, tu as le droit de mettre des gifles. Tu as le droit de mettre des tartes. Tu sais, quand c'est un club de quartier, quand c'est à l'entraînement, quand c'est au vestiaire, c'est pas grave. Mais là, quand même. Ah, c'est incroyable, hein? Mais il y a des gens, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des gens qui disent, oui, mais vous savez, Belmadi, il a bien tenu par le col un joueur qui a 28 ans et qui joue en première ligue. Je réponds à ces personnes-là. C'est tenir par le col, déjà. Ce n'est pas mettre des claques. Après, on avait critiqué le geste de Belmadi, comme on a critiqué le fait que Benrahma n'a pas calculé Belmadi. Mais on sentait que le groupe était en train d'exploser. Ben c'est gentil, Foxy Gacha. C'est très gentil en tout cas. Merci à toi d'être là en tout cas. Et si tu connais des gens qui aiment le football, et notamment si tu connais des Algériens, marhaba, ils sont la bienvenue. Il a fait descendre Bordeaux en Ligue 2. Il n'est pas resté toute la saison, hein, mais il n'a pas eu de bons résultats. Mais je préfère retenir son expérience en Suisse en équipe nationale. Il y a des coachs qui sont plus performants en équipe nationale qu'en club. Khalid sur Adli hier, on n'a pas compris la vidéo. Adli? C'est-à-dire, quand j'ai parlé de la liste? Ah oui, vous savez que j'ai fait la liste. D'ailleurs, elle est sur cette chaîne. Et je vous invite à la regarder. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. Non, moi j'ai expliqué. J'ai expliqué une chose. Regardez. Pour moi, en 25 matchs, 20 perdus. Non, mais t'abuses là. T'abuses. Parce que le problème, c'est que je vais vérifier. Je ne mets pas en doute ce que tu dis, mais là, il faut avouer que tu as un peu forcé. Alors, je vais regarder, hein, il n'y a pas de problème. On va regarder. Parce que 20 défaites en 25 matchs, c'est chaud quand même. Bah, tu vois que c'est faux. Alors, 5 victoires, 8 nuls, 12 défaites. 5 victoires, 8 nuls, 12 défaites. Alors, si je sais compter français, c'est 25 matchs. Il en a gagné 5. 12 défaites et 8 matchs nuls. Bon, bah voilà. Bon, je t'ai répondu. N'hésitez pas à venir sur Rusikada TV. Je suis en direct sur Rusikada TV. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit hier sur Yacine Adli? J'ai expliqué que, comment dire, que pour moi, il faut qu'il rejoigne l'équipe d'Algérie. On a besoin de Yacine Adli. Après, les gens vont dire, mais tu as changé de veste en un mois. Non, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et quand j'ai vu l'équipe d'Algérie jouer, je me suis dit, ouh là 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 là. Offensivement, on est bon, on est vraiment très intéressant. Défensivement, c'est une catastrophe. Que ce soit la défense centrale, que ce soit les latéraux en défense, et que ce soit même au niveau de la sentinelle. On n'a pas de pure sentinelle. Ben Taleb, ça ne marche pas. Benacer, ça ne marche pas. Zerouki, ça ne marche pas. On a tout essayé. Ça ne marche pas. Et il est physiquement imposant, Adli. Il peut tenir la route. Il peut nous rendre des services. Et d'ailleurs, même Petkovic a dit qu'il allait manger avec lui, sans pour autant parler de foot. Et en plus de ça, il a botté en touche quand on a parlé de lui à la dernière conférence de presse, d'après-match face à l'Afrique du Sud. Donc, pour moi, ça a le mérite d'être clair. Maintenant, il a un caractère d'Algérien. Vous savez, il y a des Algériens qui ont un caractère trempé, mais ils sont mesurés. Bon, lui, il a un caractère. C'est un peu caractère chacal. Mais voilà, je lui dis, Rabbi Hadir, que Dieu le remette sur le droit chemin et qu'il le fasse venir chez nous. On a besoin de tels joueurs. Je dis n'importe quoi.
Ok, bah je dis n'importe quoi. Il n'y a pas de souci, le guerrier du désert. Je dis n'importe quoi. Tu veux mettre Bennasser en Afrique, en sentinelle. Il va se manger des coups d'épaule, il va faire des vols planés de 15 mètres. Même élan sentinelle, vas-y. Appelle Petkovic et dis-lui, argumente au moins. Argumente quand tu me dis quelque chose. Bon. Ok, Sacha, il n'y a pas de souci. Tant que ton équipe elle est forte, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à venir sur Russicada TV. Je suis en direct. Russicada TV. Les 75 qui sont là, venez. Parce qu'on va stopper le live ici et on va être sur Russicada TV. Donc voilà. Drahoui, il n'a jamais eu sa chance. Celui qui joue au Raja. Raja, oui, dead. Oui, dead. Oui, dead. Ouais, oui, dead. Amin Moha, salam alaikum. Ben je vais vous mettre le lien de toute façon et s'il y en a qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Alors, voilà, je vais vous mettre le lien. Non, non, physiquement, il tiendra jamais. Il tiendra jamais en sentinelle. Sur le continent africain, il tiendra pas. En coupe internationale, peut-être, mais pas là. Ouais, non, mais de toute façon, je vais stopper le live. Les amis, je suis en direct sur la chaîne YouTube Russicada TV. La chaîne YouTube Russicada TV, les amis. Russicada TV, je vous attends. Je vous attends. Russicada TV, hein, vous allez dans l'onglet communauté et vous cliquerez sur la vidéo. Je suis en direct sur Russicada TV. Je vous dis à tout de suite. Salam alaikum. Voilà, comme ça, j'ai arrêté le. J'ai fait 15 minutes à expliquer les choses là. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Voilà. Et on fait ça comme ça. Et voilà, c'est fait. Voilà. Allez, je vous mets le lien. Je vous mets le lien. On va faire ça comme ça. Voilà. Après, s'il y en a qui veulent parler de ce qui s'est passé là avec Belmadi, parce que c'est en train de prendre de l'ampleur, on peut en parler aussi. On peut en parler aussi. On peut en parler aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est avec caméra. Vous ne montez pas sans caméra, hein. Je suis désolé. Ouais, j'ai coupé Farid. J'ai coupé, ça y est. J'ai arrêté le live sur l'autre chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Belmadi et Brahimi? Alors, il y a une vidéo qui circule sur Internet. Alors, je ne sais même pas où c'est. Est-ce que c'est au Qatar? Est-ce que c'est en Azerbaïdjan? Je ne sais pas où c'est. Bon, bref. Vous avez Belmadi, il est en camis et tout. Vous avez Guédura, sûrement il a organisé quelque chose peut-être par rapport à son frère, Allah Yerhamou, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et à côté, vous avez Sofiane Hani, ancien joueur de l'équipe d'Algérie, et Brahimi, vous avez Brahimi alors qu'il salue Guédura et il regarde pas vers Belmadi, il va directement saluer d'autres personnes. Moi, je me suis dit, ou bien c'est vrai, il se calcule pas, ou alors il s'était déjà salué avant. Parce qu'après, vous avez Sofiane Hani qui va saluer Guédura et derrière, il va pas saluer Belmadi. Peut-être qu'ils sont arrivés ensemble, peut-être qu'ils se sont salués, je ne sais pas. Allahu alam. En tout cas, ce qui est sûr, quoi qu'il arrive, ou bien ils sont arrivés ensemble, ils se sont salués et que la vidéo a été coupée pour foutre la merde, bien évidemment, vous savez très bien comment ça se passe. Vous avez ceux qui étaient les ennemis de Belmadi qui sont identifiables et eux, ils veulent salir son image. Ou alors, vous avez les pros, ceux qui sont. Bah, vous m'avez compris. Ce qui est sûr, c'est que juste derrière. Alors. Attendez, juste un instant. Alors, juste un instant, oui. Donc, du coup, maintenant, on ne sait pas. Moi, personnellement, je ne me casse pas la tête. Je ne me casse pas la tête. Donc, pour moi, tranquille. Ah, c'est à Doha, Kalidor. Ok, d'accord. Ok. En plus, tu as mis la photo de Kalidor, Schwarzenegger. Trop fort, pas mal. Elle est où, Sonia Larouge? Et donc, du coup, moi, personnellement, je trouve que c'est des polémiques qui ne servent pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo et que je vais expliquer les choses. Et quand bien même ils ne se sont pas calculés, normalement, Brahimi,
C'est le Ramadan, quelqu'un de plus âgé que toi, c'est ton aîné, c'est la génération d'au-dessus, tu lui serres la main au khlas. Mais bon, moi personnellement, je ne rentrerai pas dans ce type de polémique. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas eu de. Je pense qu'ils se sont salués avant. Après, s'ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas. Mais même quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un, c'est le Ramadan, tu es un musulman, tu serres la main, tu n'as pas besoin de. On t'a pas dit allez, partez en vacances ensemble ou aller au resto, non. Salam alaikum mokhlas. Mais moi, je pense que c'est une fausse polémique. Il y a des gens qui essaient de salir l'image de Belmadi. Et franchement, ça, c'est de la mauvaise foi. Et c'est grave. Oda, c'est grave. Il y a trop d'incohérences dans ma liste. Non, c'est deux défenses centrales qui jouent ensemble. Et vu qu'on n'a pas le temps, je vois pas. Voilà, je vois pas comment tu peux faire. Donc voilà. Pour moi, à partir du moment où tu as Ben Sebaïni qui est blessé, qui ne sera pas disponible avant, on lui souhaite qu'il soit rétabli en été pour faire la préparation d'intersaison avec Dortmund, si quand bien même il reste à Dortmund. Vous avez Issa Mandi, moi ça me fait peur. Hein. Plus le temps avance, et plus ça me fait peur. Moi je me suis dit, vu qu'on est pris par le temps, parce que la liste, il faudra qu'il l'envoie. Attendez, il doit l'envoyer quand la liste? La liste à la FIFA, il doit l'envoyer, je crois, 2 semaines avant. À la mi-mai, il doit envoyer la liste. Demain, là, enfin là, on est le 31, là, il est minuit 29. Lundi, on est en avril. Il a un mois et demi pour envoyer la liste. Excusez-moi, mais moi, je pense qu'il faut jouer à la sécurité. Après, si vous avez d'autres défenseurs à proposer, il n'y a aucun problème. Ensuite, c'est vrai qu'au milieu de terrain, j'ai eu un petit doute pour un joueur. Aouar, il faudra voir d'ici là comment ça se passe. On verra bien. Après, offensivement, excusez-moi. Alors moi, j'ai mis Ounas. Mais les amis, Ounas, il est en train de se blesser tout le temps. Il revient de blessure, il rentre 10 minutes, il sort. Les amis, moi, je vous le dis, hein, Edem Ounas, ce n'est pas une garantie, les amis. Moi, finalement, dans la liste, Ounas, je l'enlève. Je l'enlève parce qu'il ne me donne aucune garantie. Et surtout, on doit construire pour. C'est pas du long terme, parce que de toute façon, Petkovic, il n'est pas là pour le long terme. Petkovic, il est là jusqu'à, Inch'Allah, on l'espère, jusqu'à la Coupe du Monde 2026. C'est-à-dire qu'on sera qualifié, Inch'Allah. Mais mis à part ça, je ne sais pas. On verra bien. Toujours, Noura, une énorme pensée pour nos frères et sœurs en Palestine occupée. Rabbi ma'oum, Inch'Allah, ya Rabbi, on l'espère. Bedran Tougaï. Écoutez les amis, Bedran Chafaï, défense centrale à Damas en Arabie Saoudite. Ils sont 5 ou 6e du championnat. Devant, ils ont des équipes qui sont où il n'y a que des stars. Et c'est le championnat des pays arabes qui est le plus élevé. Excusez-moi, mais voilà, je vous dis la vérité. Hein. Mais là, c'est uniquement des choix juste pour cette date FIFA. Hein. Après, pour les qualifs Coupe d'Afrique à partir de septembre, septembre, octobre, novembre, il n'y a pas de problème. On pourra tester, on pourra prendre des. Il n'y a pas de problème. Mais pour cette date FIFA, non. Il faut jouer la sécurité, les amis. Sécurité. Mounjah Brahimi ont protesté après leur remplacement pour la première du coach s'il aura du mal à avoir la main sur le groupe Petkovic. Brahimi, alors Mounjah, c'est quelqu'un qui râle tout le temps. Mais Mounjah, il râle même sur le terrain. C'est même pas une question qui se fasse remplacer. Ensuite, pour ce qui est de Brahimi, c'est quelqu'un qui, quand il se fait remplacer, il râle toujours parce que voilà, il veut jouer, c'est un tempérament de gagneur, il n'y a pas de souci. Mais il y a des limites à respecter. Petkovic, je pense, s'il est dans le, comment dire, dans le même type de caractère trempé que Vahid, oui, c'est vrai que certains joueurs risquent de ne pas faire forcément long feu. Mais Brahimi est assez professionnel pour. Outrepasser cela. Et surtout après les prestations qu'il a proposées. Avec Vahid, il l'aurait peut-être pas fait. Ah, il l'a fait, hein. Et il a été repris à l'ordre. Donc voilà. Donc voilà. Saïd Fellek a clarifié la chose avec Brahimi. Moi, vous connaissez mon avis sur le chargé de communication. Voilà. Personnellement, j'aurais préféré celui qui était à l'époque de Vahid, très compétent.
Voilà. Donc, je vous ai mis le lien en message épinglé et c'est avec caméra, les amis. Hein. Avec caméra. Shaibi, moins bon. Club, sélection, j'entends. Brahim, Shaibi, le problème, c'est qu'il n'est pas utilisé de la même manière en équipe nationale qu'en club. Donc, voilà. Monsieur Aboud, oh, moi je ne suis pas du tout pro, Monsieur Aboud, mon cher Rafou. Mais voilà. Voilà. Moi, celui qui était avant était très professionnel. Durant la période Vahid. Très très compétent. T'as pas mis Mahrez dans ta liste, tu penses que c'est mort? Oui, c'est mort. C'est terminé. Mahrez, c'est terminé avec l'équipe d'Algérie. Il va se mettre en retraite internationale. Est-ce que tu peux me renseigner? On m'a dit que ce n'était pas Saïd Fellek qui a insulté Boudaoui, c'était un autre journaliste. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que lui, il faisait partie de ces journalistes qui laissent sonner leur téléphone pendant les conférences de presse de Belmadi. Et là, bizarrement, tout se passe mieux et les pelouses sont top. Mais j'ai pas envie de rentrer dans les polémiques. C'est un fait. Il te salue, vous prenez également le petit déjeuner. Noura, j'ai pas compris. Il faut que tu invites Belmadi sur ta chaîne dans l'année 2024. Tu te déplaces au pire. Je me déplace où ça? Tu veux que j'aille au Qatar? T'es sérieux, Rafou? Belmadi, je le laisse tranquille. Je suis fier de lui, de ce qu'il a apporté au pays et il reviendra, Inch'Allah. Pas dans l'immédiat, après la Coupe du Monde 2026, Inch'Allah, mais il reviendra. Non, j'ai parlé au Père Noël. Au Père Noël, j'ai parlé avec lui en privé. Marmouche, par exemple, il est 100 fois meilleur, mais large. Mais on n'entend pas les Égyptiens. Mais nous, 3 buts, ça y est, c'est Zidane. On n'a jamais dit un truc pareil. Il fait une bonne saison. Et de là de dire que Marmouche est 100 fois meilleur, faut respecter Shaibi quand même. Êtes-vous algérien ou français? Pourquoi cette question, Noura? Pourquoi cette question? Dis-leur de mettre Belaïd. Ouais, mais Belaïd, la vérité, en championnat, il n'est pas bon, les gars. Hein. Faut pas qu'on reste bloqué sur la Coupe d'Afrique qu'ils ont remportée l'an dernier. Brahim a eu un mauvais comportement ce stage lors de son remplacement. Il n'est jamais content. Ouais, mais par la suite, ils l'ont montré en train d'encourager les joueurs et tout. Après, voilà, vous savez, dans le monde entier, vous avez des joueurs qui ne sont pas contents de sortir. C'est des choses qui arrivent. C'est normal. Monsef, salam alaikum. Salam Khalid, ça va? Ah Tu ouais, m'entends? non, Bien, bien. C'est bon, tu m'as vu, je peux enlever la caméra là. mais c'est bon, impec. Ok. Ça va, alhamdoulilah? Là et toi. Ah, ça va, ça va. Toujours un plaisir de monter. Ah, plaisir partagé. Hein. Oui, c'est Nadir Bouznad. C'est ça, c'est ça. Non, c'est bien lui qui était le chargé de communication avec Vaïd. Normalement, c'est lui. Lui, il était compétent. Vas-y, je t'écoute, Monsef. Tu veux parler? Est-ce que tu veux parler de la vidéo que j'ai faite sur la liste hier? Ou bien est-ce que tu veux parler de ce qui s'est passé Belmadi Brahimi ou autre chose? Il n'y a pas de souci. Non, non, moi je veux parler football, les polémiques, tout ça, sport, Pas de les souci. ragots et tout ça m'intéresse pas. Pas de problème. Non, je voulais parler un peu du stage. Je trouve que c'est un stage où il y a beaucoup de choses positives à garder. Il y a aussi d'autres choses négatives. Mais moi, je trouve qu'avec Petkovic, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. Que ce soit le staff technique, que ce soit même dans tous les compartiments de la fédération, je trouve qu'il y a des choses qui sont en train de mettre en place autour de l'équipe A, bien sûr. Et je trouve que petit à petit, on commence à construire quelque chose. Et je pense que ça peut être bénéfique pour l'avenir. Même si la date de juin, ça va être le facteur X. Parce que voilà, c'est si tu réussis ta date FIFA de juin, tu as un boulevard, je pense. Je pense que tu as un boulevard. Je dirais pas un boulevard, mais tu te mets vraiment dans de très très bonnes conditions et surtout que les cinquième et sixième journées seront qu'au mois de mars. Donc l'année prochaine. C'est Voilà, donc ça. entre-temps, tu as les qualifs Coupe d'Afrique, c'est pour ça. Ouais, on sait tous que les qualifs Coupe du Monde, t'as plus de pression que qualifs Coupe C'est d'Afrique. normal. Donc le fait que ça s'enchaîne pas trop, ça va.
Donc, Ouais, c'est ça. En plus, tu peux vraiment créer sensation si tu bats la Guinée et l'Ouganda, tu vois. bah, c'est sûr. Et après, en mars, tu joues à l'extérieur Botswana et à domicile Mozambique. Si tu fais encore le plein, bah, c'est bon. Après, D'ailleurs, t'es ouais. tranquille jusqu'à septembre. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, parce que. D'ailleurs, j'avais une question, Khalid. Le match face au Ouganda, ce sera chez eux ou ce Il y a sera sur terrain neutre? de fortes chances que ce soit chez eux. Ils vont homologuer leur stade. Parce que la dernière fois qu'on les a affrontés, c'était en juin, l'an dernier. C'était à Cameroun. Japoma. Ouais, au Cameroun, exact. On avait, à un moment, ils ont même parlé du Maroc, mais eux ne joueront pas au Maroc. Eux, ils veulent se mettre dans des conditions où ils peuvent nous déstabiliser. Surtout qu'ils ont la haine contre nous, parce qu'on Bah n'a pas battu la Tanzanie, ils ne sont pas là en Coupe d'Afrique. Alors que c'est eux qui ont perdu à domicile chez eux contre la Tanzanie. Donc déjà, ce n'est pas de notre faute. Mais c'est vrai que normalement, mais avec une équipe bis, on aurait dû les battre. Mais bon, on c'est pas aurait dû grave. les battre. D'un côté, je comprends leur frustration, mais après, si tu veux te qualifier en Coupe d'Afrique, c'est à toi de faire le boulot. Tu vois ce que je veux Exactement. Par contre, on va jouer là-bas. C'est en altitude, hein. Ah, Je vais 1200 regarder. mètres, non? Je crois 1200 1200. mètres. Je vais quand même vérifier Kampala. Kampala, Kampala. Je vais te dire ça tout de suite. 1200 mètres d'altitude, exactement. Ouais. Parce C'est que ce que j'avais Khalid, dit hier, mais j'étais pas sûr. J'allais dire 1400, mais au fait, 1200. les gens parlent beaucoup du match face à la Guinée, mais j'ai l'impression qu'on oublie le match face au Luganda. Ça va pas être un match facile, hein. Ça Il va va pas être être un encore match plus facile. difficile. Par contre, en ce moment, alors, en ce moment, ils ont de l'humidité et beaucoup d'orages. Par contre, la météo, c'est 18-19 le matin, 25-26 l'après-midi, et ça ne bouge pas. Mais On après, verra d'ici là. à voir si en juin sera la saison des pluies ou la saison sèche aussi. Je ne sais pas. Si c'est. Ben après, l'Ouganda, c'est plus bas, tu vois, c'est la région des Grands Lacs. Donc. Ah, ce sera la saison des pluies. Sachant que le Kenya, entre avril et septembre, c'est la saison des pluies. Voilà. L'Ouganda, ouais. Non, parce que Et ils font partie des trois pays qui organisent la CAN en En 2027. 2027, exact, Voilà. exact, exact, exact. Parce que les gens, ils se focalisent trop sur la Guinée. Ils oublient que l'Ouganda, déjà, même le match, bon, je sais qu'on avait fait tourner notre effectif, mais le match qu'on avait gagné à Japoma, c'était compliqué parfois. C'était compliqué, C'était l'Ouganda. compliqué, hein. Tu marques, regarde, tu marques en fin de première mi-temps sur. Alors, tu as une frappe de Belkebla, c'est ça, et repoussé par le gardien Amoura qui suit. Et le deuxième but, il vient sur un corner de l'Ouganda. On part en contre en flèche Amoura et Même si une avec Mahrez et il marque, tu vois. c'était une belle action collective, le deuxième but, je Et m'en on se fait rappelle. encaisser un but après, tu vois. Donc oui, on a joué. Bon, on était déjà qualifié. Mais n'empêche, avec une équipe bis, t'avais fait le job et c'est bien. Au fait, j'ai l'impression que les meilleurs moments où Belmadi a testé, c'était bien, ça se passait bien. Les amis, vous me dites que 1200 mètres, c'est pas grand-chose. Je vous rappelle que 1200 Vous mètres, êtes des malades. il y a quand même 7 à 8 degrés. Bon, ok, c'est pas la Bolivie chez eux. 3000 mètres, 4000 mètres, et les joueurs argentins, ils perdaient des 3-4-0, ils vomissaient sur le terrain. Je le Messi, conçois. Messi, Messi, vomissait sur le terrain. Mais oui, mais par contre, il y a quand même 7 degrés d'écart. La preuve, je viens de vous donner les températures. Ça dépasse pas les 30, hein. Et t'as moins d'oxygène en altitude. Ouais, mais ça, il faudra s'adapter, hein. Bah, s'ils veulent aller s'entraîner à Sétif, allez-y, hein. 1000 mètres d'altitude, je crois. Voilà, ou à Tikjda, voilà. Je sais pas. Pour moi, le match face à l'Ouganda, ce sera la même, il y aura la même difficulté, voire même un peu plus que le match face au Mozambique. Où j'avais Ah, prévu ce que. sera plus de difficile. Ce sera plus Parce que le difficile. Mozambique, je ne sais pas si tu te rappelles, ils nous sont rentrés dedans pendant 45 minutes, ils On n'a nous sont rien rentrés compris à dedans. ce qui s'est passé. Bon, après, j'ai pas envie de trouver des excuses, mais c'est vrai que jouer deux matchs en 48 heures, c'est chaud. Déplacement, je ne sais pas combien d'heures. Mais c'est vrai que tout a été organisé pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour ce match-là. Sétif, c'est à 1100 mètres. Bah, c'est très bien. Le problème, c'est que. Ouais, ils peuvent. En plus, il y a un endroit où ils s'entraînent là-bas, Sétif, là-bas. Même les clubs. Bon, après, il faut voir s'il y a toutes les commodités. Mais ça pourrait être une bonne solution. En plus, Walid Saadi, président de la FAF, qui. Voilà. Il aime bien Sétif. Donc, oui, pourquoi pas se préparer là-bas. Ouais, pourquoi pas. J'ai une question. À ton avis, la FAF, ils vont mettre un troisième match en juin? Non, parce que la date FIFA, et ça, je l'ai remarqué. À la fin du match contre l'Afrique du Sud, quand j'ai fait le live d'après-match, il n'y a que 8 jours. En fait, la date FIFA de juin, d'habitude, elle est longue. C'est la plus longue. 15 Cette fois-ci, elle est jours. courte. Ouais, mais cette fois-ci, c'est que 8 jours, comme les autres dates FIFA, parce qu'il y a l'Euro, il y a la Copa América. Voilà. Donc, c'est raccourci. Dommage. Dommage, très dommage même. Après, voilà, Petkovic, là où je pense que lui, Petkovic, c'est surtout au niveau local, il va essayer de trouver.
au moins défenseur central. Au moins défenseur central. Je pense que ça va être son boulot. Ouais, il y en Ça va a être son boulot. plusieurs. Il y en a plusieurs, ils Voilà. sont bons, tu vois. Après, dans les autres postes, voilà, c'est. Mais là, tu n'as pas le choix. Non, c'est l'axe, c'est l'axe. Attends, attends, attends. Mossester, il a écrit 1200 mètres, c'est pas grand-chose. La plupart dans le chat n'arrivent pas à monter une pente de 15%. Oh, hey, Mossester, moi, quand je vais chercher des fois des châtaignes, hein, je connais un endroit où aller en chercher. Je t'assure que la pente, elle est comme ça. Attends, je te montre. Elle est comme ça. Wallah, je plaisante pas, elle est comme ça. Je marche, le temps de monter, au moins 20 minutes, 25 minutes. Je crache mes poumons. Par contre, quand j'arrive en haut, je suis Ouais. content. Ouais. Donc, oui. Attends, Khalid, tu parles de Adli, mais pas de Gigot MDR. Il serait plus utile que Adli. Gigot! Ah, mais non, Yacine Samuel Adli. Gigot. Ah, ah, Samuel Gigot, le joueur de Marseille, là. Gigot, Gigot. Mais à l'époque, ils ont déjà. Mais non, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les gens parlent de lui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien avec l'Algérie, Gigot. Il avait déjà dit d'ailleurs. Il avait dit s'il y avait quelque chose, oui, peut-être, mais là. Ouais, après, quand un joueur il se sent pas algérien, faut le laisser, tu vois. Faut pas non plus Nous, on fait. forcer, tu vois. Bien sûr, nous on faisait nos matchs de pré-saison, c'était à Tignes. Ah ben voilà. Moi, je me rappelle à l'époque, putain, quand j'étais petit, hein, les préparations de début de saison, ils nous emmenaient dans les vignes tôt le matin, je sais, on voulait mourir. Hein. Mais c'est le top. Hein. Tu sais, la préparation, c'est pour ça que Ben Sebaïni, j'espère qu'il sera rétabli avant la préparation d'intersaison. C'est Ouais. super important. Donc C'est voilà. pour ça que j'ai dit Khalid, j'arrête pas de le répéter, pour moi Benacer, il retrouvera son meilleur niveau que la saison prochaine avec une grosse prépa physique, tu Oui, vois. oui. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, mais Benacer, il revient d'une blessure très grave. On aura un Bénasser optimal en septembre lors des qualifs Coupe d'Afrique. Pas avant. Pas Là, il avant. revient à Donc, peine, il revient à peine, il revient à peine. Tu peux et pas l'erreur, tu sais lui. où elle est l'erreur? Les gens qui disaient non, faut prendre Bénasser à la CAN. Fallait pas le prendre, la preuve. Il a joué une mi-temps, je crois, 1 heure de jeu. Assalamu alaikum. Quelle erreur, quelle erreur. Quelle Ah, il était erreur. cuit. Ah oui, voilà, c'est. Les amis, vous avez le lien, ceux et celles qui souhaitent intervenir, hein, vous pouvez monter. Hein. Salam Ryan, salam alaikum, sahaf turk. alaykoum à tous. Sahaf toulkoum. Sahaf turk, Sahid, comment tu vas? sahid. Ça va bien? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. T'as bien mangé? Ouais, ça va. J'ai mangé tout à l'heure. J'ai prié et tout. Mais obligé. Alhamdoulilah. En plus, on rentre dans les 10 dernières nuits, donc la prière, les amis, et puis voilà quoi. Inch'Allah, peut-être. Ça se trouve, c'est peut-être la nuit du destin ce soir. Donc, Ouais, les doigts, les doigts. dans les nuits impaires, il y a moyen de la trouver. Hein. Voilà. Tu sais, le mieux, c'est de prier les 10 nuits. Parce que finalement, on ne sait pas si on a commencé au bon jour le ramadan ou pas. Tu vois, donc tu joues la sécurité, tu pries les 10 nuits. Les 10 dernières nuits, toute la nuit. Tu te casses pas la tête. Et puis, tu seras sûr de tomber dessus. Inch'Allah. Va, Khalid? Bon, ça va. Hein. T'as Alors, les créé gens, ils ta disent. nouvelle chaîne là? Ça fait plaisir. Alors, déjà, Franchement, ça c'est une fait chaîne plaisir. secondaire. Je te remercie en tout cas. Et n'hésite pas à la partager autour de toi. C'est une chaîne secondaire. Et surtout, tu as vu qu'ils m'ont enlevé la monétisation sur l'autre chaîne jusqu'au 17 juin. Je crois que c'est un problème de signalement, c'est sûrement à cause de ça. Il y Moi, en je a qui me disent pense. c'est YouTube, il y en a qui me disent que c'est des gens qui ont des chaînes qui m'ont signalé. Bon. Si c'est YouTube, je me plie aux règles, mais je vois pas en quoi je comprends pas. Raph, il m'a dit peut-être c'est parce que je montrais plus ma tête depuis fin décembre. Non, c'est pas à cause de ça, c'est impossible. Je pense que c'est un signalement parce que tout le monde peut signaler, donc je sais pas Ouais, bah exactement. écoute, hein, voilà. Je vais pas vous maudire en plein Ramadan, surtout dans les 10 dernières nuits, mais Kenrbé, c'est tout ce que j'ai à dire. Inch'Allah, qu'il vous arrive bien pire. Mais sans toucher à votre santé ou à votre vie. Hein. Mais dans votre portefeuille, Inch'Allah. Voilà. Alors, je t'écoute, Ryan. Est-ce que tu veux parler de la liste que j'ai. Ouais, Tu l'as vu la vidéo de la liste? non, la liste, je l'ai pas vue, mais si tu veux bien rappeler, ce serait normal. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de. C'est normal, il n'y a pas de souci. Hein. Après, il y a des gens qui disent oui, mais ça manque Khalid quand tu faisais les lives sans intervention et je montrais des photos et tout. Bon, vous inquiétez pas pour ça, c'est pas un problème. Alors, où est-ce qu'elle est la liste? Est-ce que c'est ça? Bon, là, je me rappelle pas si c'est ça ou ça. Juste un instant. Je crois, Khalid, dans ta liste, t'avais pas mis Mandy, je crois. Ah, je l'ai pas mis, hein.
Ah ouais, moi je suis pas d'accord sur ça, moi. C'est pas grave. Vas-y, C'est pas grave. Tu peux me donner ta liste avec grand plaisir. Mais attends, voilà, je l'ai. Alors, les amis dans le chat, je vous remercie. Likez ce live, c'est important parce que je me fais signaler par les cafards. N'hésitez pas à liker, les amis. Merci beaucoup. À liker, pardon. Le petit pouce. Alors, et partagez le live aussi, hein, on sera plus nombreux. En gardien, donc déjà, regardez, on va prendre le contexte et ensuite je vais vous donner la liste pour que vous puissiez comprendre la situation. On était sur une liste de 31. On est d'accord, Ryan et Monsef. Ouais, c'est ça. Et on est d'accord que certains joueurs ont quitté le groupe. Ils n'ont même pas joué et d'autres ont joué qu'un seul match. Et on a même eu des blessés. D'ailleurs, qui ne seront pas là, malheureusement, pour un, notamment Ramy Bessebaïni, Allah y Shafir, lors du prochain regroupement. Et à côté, vous aviez Petkovic qui avait dit durant une conférence de presse: j'ai peut-être fait une erreur de ne pas convoquer certains joueurs, peut-être que je vais le faire en juin. Et qu'en gros, il nous a fait comprendre qu'en juin, ce sera sa liste. Parce que là, c'était une liste entre lui, l'adjoint Nerys, le DTN peut-être, voilà, parce qu'il a signé le contrat. Le lendemain du dernier jour où il fallait envoyer la liste à la FIFA. Donc, on est d'accord que la liste, elle n'a pas été forcément faite par lui. Bon. Ou alors, il a participé, mais ce n'est pas totalement. Maintenant, on se retrouve au mois de juin, mais au mois de juin, c'est. Prenez toutes ces choses que je viens de vous dire, et en plus, 23 joueurs seulement. Donc, vous devez prendre trois gardiens, deux latéraux gauche, deux latéraux droit et quatre défenseurs centraux, parce que c'est deux par poste. Mais Khalid, c'est obligé que ce soit 23 joueurs. Oui, t'as pas le choix, c'est officiel. Ah, ok. Ensuite, au milieu, tu as 6 joueurs, et en attaque, 6 joueurs. En fait, c'est chaque poste est doublé. Maintenant, ça dépend. Si le coach, il se voit plus dans un 3-5-2, un 3-4-3, un 3-2-4-1, ou un 4-3-3, ou un 4-2-3-1, ou un 4-4-2, ou un 4-2-4. Ça va dépendre des joueurs qu'il va convoquer. Moi, dans ma tête, je suis parti dans le sens où il va faire ou un 4-3-3, ou un 4-4-2, ou un 4-2-3-1. Pour moi, il ne jouera pas avec trois défenseurs centraux. Parce que pour l'instant, bien que moi je suis plutôt un adepte de la défense à trois et des pistons, parce que c'est le profil de joueur qu'on a, parce que pour moi, tout simplement, si tu as trois défenseurs centraux, il faut les trois doublures. Déjà, deux, on a du mal à trouver deux doublures. Alors trois, c'est pire. Mes gardiens que j'ai proposés, vous me dites ce que vous en pensez, Monsef et Ryan. Bandreya, Ben Bott, et je souhaite un retour d'Oukidja, qui se revienne de sa retraite internationale, parce que c'est le meilleur. Oukidja, je pense c'est impossible parce que il aurait dû revenir durant la CAN. Je pense là c'est un peu trop tard. C'est un Je nouveau trouve coach? ouais, mais je trouve ça trop tard. Mais ah bon, c'est à voir parce qu'il est performant. Pourtant Oukidja en Ligue 1, il est Ah, performant. Ouais. il est très bon, il est très bon. Ouais. Maintenant, pour les défenseurs. À droite, Atal Gitoun, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas mieux pour l'instant. Ouais, c'est la paire, c'est la paire. Voilà. À gauche, Aït Nouri et Hajem, ils jouent. Exact. Ouais, Ok. c'est très bien. Maintenant, dans l'axe. Aïe, 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 dans l'axe. Ouh, apparemment, j'en ai fait. Les gens, ils ne Le sont pas chantier, contents. Khalid. Là, c'est le Ouh, chantier. voilà. C'est le chantier, ils ne sont pas contents avec ce que j'ai mis comme joueur. Les gens, ils sont choqués. Moi, c'est simple. On est pris par le temps. On est pris par le temps, on est pris par le temps, je le dis trois fois. On n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Moi, Mandy, je ne le prends pas. Il me fait peur. Non, non, Et il faut je sais qu'il apprendre. sera là. Non, Je sais qu'il sera là. jamais. Faut Faut passer le à autre prendre, chose. faut le Tourner prendre. la page, c'est dès maintenant ou Ouais, mais jamais. il y en a qui te disent tournez la page alors en septembre, mais pas en juin. Moi, je Faut le le tourne en prendre. juin. Pour moi, faut Je le prendre. choisis deux défenses centrales et deux défenses qui jouent ensemble en club. Je prends Bedran et Chafaï. Ils jouent à Damak en Arabie Saoudite, ils sont sixième. Ils font un bon championnat par rapport à leur club, le niveau de leur club, et ils sont juste derrière les grosses équipes où il n'y a que des stars. Et c'est un bon championnat et un bon niveau. Pour moi, il est un meilleur niveau que la MLS, c'est mon avis. Donc du Moi, je coup, suis Bedran d'accord avec Chafaï. toi. Je suis d'accord. Badran, surtout Khalid. Khalid, je l'avais dit moi durant la CAN, la dernière CAN. Je t'ai dit, il Oui, fallait mais moi. prendre les deux là. Ouais. Bon, Mais moi j'avais pas surtout dit Chafaï, Khalid. mais là on est pris par le temps. Oui, Monsef. Surtout Khalid, Badran dans le jeu aérien, il est très bon en fait. Ouais. Alors je mets Bedran Chafaï. Mais attention, hein. C'est uniquement pour cette date FIFA, c'est tout. En septembre, il faut mettre que les jeunes. Faut jouer la sécurité seulement au mois de juin. L'autre défense centrale, et là par contre, je les vois sur le long terme. Belaïd, Alilette. C'est les deux qui jouent à l'USMA. Et Et d'ailleurs, même Khalid. Alilette est meilleur que Belaïd cette année. Khalid, dans ta vidéo, t'as dit ça, toi? Oui?
Tu sais que juste avant que tu dises Belaïd et Alilet, j'allais te les dire les deux là. Je te jure. J'ai pensé Oui, à eux. tu verras de toute façon la vidéo. Après le live, tu peux la regarder, elle dure pas longtemps. Parce que Non, mais. j'explique les choses. Les gens ne comprennent pas au fait. Donc j'explique les choses. Donc pour moi, voilà, j'explique la situation. On n'a pas le choix pour l'instant. Après, au niveau local, c'est Petkovic qui verra. On verra bien. En tout cas, pour moi, au moins pour cette date FIFA, tu mets Bedran Chafayar dans l'axe. Ils peuvent tenir le coup, tout comme Belaïd et Alilet, qui ont l'expérience maintenant. Franchement, la vérité, les amis, c'est du solide. Après, s'il y en a qui veulent mettre Ben Lamri, s'il y en a qui veulent mettre Abdelhaoui, apparemment aussi, tu peux mettre Ben Lamri, Abdelhaoui, la défense centrale du Mouloudia, mais ils se prennent beaucoup de buts. Hein. Mais offensivement, ils claquent des buts. Bon. Khalid Ben Sebaïni va nous manquer de fou. J'y pense tellement. Mais Ben Sebaïni, moi, à l'avenir, je te dis la vérité, Rouya. Ben Sebaïni, défense à 3, je le mets à gauche. Et même dans une défense à 4, je le mets à gauche. Si on a les défenseurs qu'il faut au niveau central, je le remets à gauche. Et à Aït Nouri, je le fais avancer d'un cran. Khalid, bah Je c'est le ce fais qui s'est avancer d'un cran. passé. C'est ce qui s'est passé lors du match face à l'Afrique du Sud quand Et t'as Hadjam est vu ce que ça a rentré. donné. Parce que bon. Hadjam est passé dans une défense à 3 et Aït Nouri est remonté au milieu de terrain. Et Parce que le c'était problème. une. Mais tu sais, Monsef, parce que nos latéraux, ils sont pas bons défensivement. Ah, t'as les Non. Aït Nouri, c'est des boulevards. Par contre, offensivement, ils sont excellents. C'est pour ça. Bon, on va continuer. Guitoun, ça va encore. Ouais. Donc, je vous ai donné les défenseurs. Enfin, vous êtes d'accord sur les côtés. Peut-être que dans l'axe, vous avez des hésitations. Il n'y a pas de problème. Alors, milieu de terrain. Et là, par contre, moi, j'ai une hésitation sur un joueur. C'est Houssem Aouar. Ça dépendra Pourquoi? de son état de forme. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas le top. C'est pas encore le Houssem Aouar. Et surtout, les adversaires qu'on va affronter. Après, je peux me tromper, mais en tout cas, je l'ai mis. Hein. Mais Khalid, sinon. moi je le prends à voir. Il est jeune, tu sais pas à quel Non, moment mais il moi, peut. j'aimerais bien aussi. Moi, je l'ai mis. Regardez, j'ai mis Benacer, Ben Taleb, Zerouki, Shaibi, Boudaoui, Aouar. Ouais, c'est bien ça. C'est Il costaud. manque. Moi j'aurais rajouté. Enfin, Kendouchi. Rajouter Kendouchi. Peut-être. Il y en a qui mettraient Kadri, hein, qui joue en Belgique. Excellent. Kadri aussi, il est Voilà. excellent. Maintenant, Mais voilà. Moi, je vous ai donné mon avis, mais Adli, il sera là. après, Khalid Aouar. J'ai fait un pari, d'ailleurs. Donc, il sera là. Aouar, c'est surtout son manque de temps de jeu. Même si là, il rejoue encore, il rejoue, hein, il rejoue avec l'AS Roma. Mais on va voir surtout sur les prochains matchs s'il joue plus. S'il joue, il y a l'Europa League aussi qui arrive. Il peut, c'est surtout avoir surtout s'il a du temps de jeu. C'est là où il peut performer, tu vois. Exactement, mais le problème c'est que là tu ne peux prendre que 6 milieux. Les amis, c'est 23 joueurs, on ne peut pas en prendre plus. Hein. Moi, Khalid, je vais pas te donner ma liste parce que tout peut changer jusqu'à fin mai. Du coup, je dis juste moi Ah ce que. oui, pour ceux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Pour ceux qui kiffent la MLS en ce moment, Bakrar est titulaire, New York contre Miami, et Miami a Messi. Hein. Merci. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, maintenant on va aller à l'attaque. Et là, par contre, Ounas, moi personnellement, sur la prochaine liste que je vais refaire, parce que j'ai dit, j'actualise à chaque fois la liste, hein, jusqu'à qu'on arrive, bah, c'est obligé, je suis obligé. Je m'adapte à la période. Bah, Ounas, je l'enlève, moi. T'as le mec qui rentre hier, il était blessé. Il rentre, 10 minutes, il ressort. Mais qu'est-ce que C'est c'est une que ça? béquille, c'est une béquille. Mais à ce qui paraît, c'est pas grave. À ce qui paraît, En fait, Khalid, c'est pas moi grave. Hein. j'ai vu un peu la dernière mi-temps, la deuxième mi-temps, j'ai regardé, mais en fait, il a dribblé trois joueurs. Après, quand il a crocheté, il s'est pris une béquille sur la hanche. Du coup, ben voilà, il est Non, sorti. il est mal retombé surtout. C'est par précaution, il est sorti, t'inquiète, c'est pas un problème. Ouais, Ouais, il est. Hassan, si tu prends Abdelhi, Kadri, tu enlèves qui sur les 6 que j'ai proposés? Bon, on partage les amis. Hein. C'est Petkovic qui va choisir à la fin. Mais Khalid, tu sais, moi, il y a des détails qu'il faut prôner sur ça. C'est qu'il ne faut pas jouer avec les sentiments. Belmadi, il a trop joué avec les sentiments. Petkovic, là, c'est du sang-froid. C'est un peu Sans comme froid. Vahid. Regarde, moi je te On donne mes comprend. 6. Regarde, les On 6 comprend. attaquants. Mais tu vas me dire, Ryan, je te donne mes 6 attaquants. Tu me dis s'ils sont en forme. Amoura, tu le prends. Ouais, faut le prendre. Brahimi, tu le prends. Ouais, il a Expérience. été bon. Il a été bon. Ouais. Benzia, tu le prends. Exact. Il a été excellent. Guiri, tu le prends. Ouais, Il je le joue un prendrai. buteur. Ouais. Bakrar, il a fait le job en 9 remplaçants. Tu le Bon, prends. lui, c'est le futur, bien donc sûr, bien tu le sûr, bien prends. sûr. On les prend tous. Et j'ai pris Edem Unes. Parce que si tu prends Adam pas Edem Unes,
Tu Moi, prends ou j'hésite. Belloumi ou Bouanani ou Haj Moussa. Ounes, ça dépend de son état de forme. S'il continue à bien performer, sinon, je prends Bouanani à sa place. Ah, Après, Ounas. il y a des gens qui vont vous dire oui, mais c'est au moins pour cette date de juin, il faut qu'il y ait quand même le retour d'un ou deux. Il y en a qui te diraient non, Mandy, il faut le laisser en défense. Il faut un ancien. Bon. Et il y en a qui te disent limite. Bakrar, c'est pas grave, tu le prends en septembre, qualif Coupe d'Afrique, il est encore jeune et tout, tu prends Slimani. Il y en a qui veulent Slimani au moins pour juin. Le genre de mec qui peut te marquer un but contre la Guinée. Khalid Slimani, c'est déjà fini. Tu peux plus le prendre, Slimani. C'est fini, Khalid. C'est impossible. Ah Et non, moi j'ai rien dit, Mandy. je dis il y a des gens qui pensent comme ça. Mandy, tu peux Khalid, pas le prendre. Pourquoi tu oui. peux pas le prendre, Mandy? Attends, Pourquoi? vas-y. Je peux finir, s'il te plaît, juste Vas-y, vas-y, concernant vas-y, vas-y, Mandy. vas-y. Donc, Mandy, tu peux pas le prendre parce que depuis 2 ans maintenant, il est friable défensivement. Il a pris un choc. Il a vraiment pris un choc. Il s'est devenu plus Mandy. Il a métamorphosé. Il a pris une alchimie. Je sais plus. C'est plus le Mandy qu'on connaissait avant. C'est si, quand il était à Bétis, il était très bon. Après, il est parti au Villarreal. Il a sombré là-bas. Donc, je ne sais pas pourquoi il est parti. Voilà. C'est un Ouais. choix de carrière. Non, mais je pense, vous savez quoi, de toute façon, pour les anciens, moi je dis ça comme ça, mais moi je sais au fond de moi très bien qu'ils ne reviendront pas. C'est terminé. Belmadi est parti, une page s'est tournée avec les anciens. Et malheureusement, Belmadi, on sait très bien l'erreur où il l'a faite. Toute l'année. Ah, Suarez, il a marqué pour Miami. Ouais, ben, ils ont Suarez en plus, putain. Toute l'année 2023, il a cherché tous les jeunes pour qu'au final, à la CAN, il remet les anciens. C'est une énorme erreur qui lui a coûté sa place, malheureusement. Moi, juste Bell m'a dit, je pouvais un peu, j'étais pas d'accord avec Shaibi, il l'a pas trop fait jouer, tu vois. Ouais, C'est juste ça le point. moi aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Khalid, Après, oui. je voulais revenir à Ounas. Et terminer ce que vous avez à dire. Vous allez terminer le sujet Bell m'a dit Shaibi là. Non, vas-y, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Non, je disais juste, Shaibi, pour l'instant, on le fait pas jouer à son poste en équipe nationale, que ce soit Belmadi ou maintenant Petkovic. Mais on verra. Le seul moment où il a joué plus offensif, ben, il a marqué. Voilà. Bah vas-y, je t'écoute pour. Ounas, je pense que c'est un joueur, tu dois le prendre parce que le mec, il peut te ramener de la percussion et débloquer un match. Le mec, il peut, que ce soit sur coup de pied arrêté, par ses dribbles, il peut te changer le cours d'un match et il peut faire mal à l'adversaire, il peut te provoquer des pénaltys. Ounas, bon, d'accord, malheureusement, on s'attendait bien mieux, bien plus de la part de sa part. C'est un talent incroyable. Mais il peut toujours ramener de bonnes choses à l'équipe nationale. Surtout dans cette date FIFA-là. Contre la Somalie, il donne un caviar à Slimani. Contre le Burkina Faso, il donne un caviar à Bounedjah, si mes souvenirs sont bons. Contre le Mozambique, il fait une très bonne entrée. Il combine bien avec Amoura. Ah, les corners, je suis tout à fait d'accord que Ounas, il est excellent. Ouais, franchement. Il Et a une patte incroyable. Voilà, c'est pour ça que je dis que Ounas. S'il est pas blessé, s'il est en forme, faudrait le prendre. Voilà. ça va dépendre, comme tu l'as dit, de l'état de forme des joueurs, du temps de jeu aussi des joueurs. Des blessures. Après, pour ce qui est du mois de juin, je le répète, mois de juin, il faut juste qu'on gagne. On s'en fout du jeu, on veut gagner. Je m'en fous, moi. Tu marques même du postérieur, je serais très heureux. Maintenant, après, à partir de septembre, il faut mettre que les jeunes. En septembre, Petkovic, tu mets que les jeunes, ils ont faim. Ils ont faim. Mêlés, ils ont faim. Ils vont se faire plaisir. Ils te qualifient à la CAN au Maroc. Et à la CAN au Maroc, laisse-les, donne-leur les clés. Tu seras peut-être Pour surpris. toi, Khalid, tu tournes la page à partir de septembre. Oui. En juin, ça ne me dérange pas s'il y a un ou deux. Je ne vais pas dire retour, mais s'il y en a un ou deux des anciens. Si Ok. Amandi, ça ne me dérange pas en défense. Au moins pour Ok. juin. Et offensivement, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais sinon, clairement, si c'est en juin qu'il faut tourner la page, ben on tournera en juin, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que le problème, si tu les convoques, tu en convoques certains et c'est eux qui te font gagner le match en juin. Tout est remis en cause. Ils vont dire oui, ben voilà, ils sont là, c'est eux qui ont fait gagner. À un certain moment, il faut donner les clés. C'est important parce que si on continue comme ça, faut avancer. Et je pense que Petkovic, il a compris. Il s'est dit hop, tout de suite. Et ça a été radical. Vous imaginez, dernier regroupement, il n'y avait pas Slimani, il n'y avait pas Mahrez, il n'y avait pas Belaïli. Il manquait qui Et encore?
Il n'y avait pas Fégouli aussi. Feghouli, Mbouli. Et j'en suis sûr. Et vous savez, Mandi et Bounedjah, c'est par défaut. Je vous assure, normalement, ils ne sont même pas là, eux aussi. Après, peut-être qu'eux, ils n'ont pas eu de problème avec. Voilà, parce qu'on sait très bien qui a fait la liste. Maintenant, mois de juin, c'est vraiment Petkovic qui va la faire à 100%. Et il va travailler. Analyse vidéo, il a un très bon analyse vidéo qui est un Algérien qui a travaillé ici en France. Et ils ont un bon préparateur physique. Et là, il va sillonner. Alors, la semaine où il sera en dehors de l'Algérie, bah, ce sera ici, il va circuler, il va regarder les joueurs, il va les rencontrer. Et qui n'hésite pas à aller voir en Ligue 2, hein. Apparemment, Chergui est pas mal cette année avec le Paris FC. Ça peut être une alternative, mais voilà. En plus, la Ligue 2 française, c'est un championnat qui est très fermé et ça cogne, quoi. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais pas, je sais pas. À Après, voir ce c'est à qu'il vous. va ramener. À voir, hein, à voir, hein, je ne sais pas. Hein. Les amis dans le chat, si vous voulez intervenir, surtout n'hésitez pas. Hein. Khalid, toi, N'hésitez surtout pas. tu penses qu'il va y avoir combien de surprises? Dans la liste? Ouais, dans la liste. Il n'y en aura pas beaucoup. Allez, deux. Sur les 23, deux. Le Moi, je vois reste. bien, moi, je vois bien 5 surprises comme ça, tu vois. Par exemple, un Cherki qui vient et tout. Bah, c'est vrai, quelque part, t'as pas tort, parce qu'au final, c'est la liste de Petkovic. Ouais, Ce voilà. sera vraiment sa liste. Maintenant, on essaye de ne pas rentrer non plus dans des théories fumeuses. Hein. On va y aller mollo. Parce que les théories du complot, c'est vrai qu'on a eu notre dose, notamment depuis. 29 mars 2022. Et bien avant déjà. Bien avant déjà. Mais j'ai pas envie de rentrer dans ce délire-là. Pour moi, je suis là pour l'Algérie, pour l'équipe nationale. C'est tout ce qui m'importe. Après, les Khalid, intérêts, écoute, voilà. Khalid, t'as Meguiri dans ta liste, j'espère. Ouais, j'ai quand même pas mal. N'abuse pas quand même. Il y a qui, Oui. sinon tu veux mettre qui? Il Et n'y a pas Bounedjah, Khalid, hein. Bounedjah, je l'ai enlevé. Hein. t'as pris Brahimi ou pas? Oui. Ah, d'accord. Non, mais Brahimi, moi, ça fait longtemps que je le voulais. Hein. Déjà au barrage contre le Cameroun, je le voulais. Ah, Je il suis aurait été désolé, après, percutant. ouais. Écoute l'action de Bella. Il aura marqué. Je suis désolé, il aura fait une. Ah, enfin bref, laisse tomber. Parce Ça sert à que rien. Brahimi, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que je me rappelle, bon, c'était les années sombres, mais en 2010, non, ouais, au novembre, je crois, ouais, novembre 2016, on perd face au Nigeria, c'était sous Likens, face au Nigeria, 3-1, et Brahimi en Afrique, ça, c'était l'Afrique pour de vrai. Brahimi, il avait fait un match incroyable ce jour-là, je me rappelle. Et Mahrez, oh, tu me fais rappeler ce match, Mahrez est marché. Là, il avait fait une passe D quand même, je me Il rappelle. marchait sur le terrain. C'est vrai que le but de Ben Taleb était magnifique, mais je suis désolé, marcher sur le terrain. On a raté trop d'occasions Impressionnant. ce match-là, on avait raté trop d'occasions, je me rappelle. Voilà. Tu t'es saboté dès le premier match. Tu fais dégager à coups de crampon un coach dans les vestiaires. Ouais, Je suis désolé. ça c'était n'importe quoi, hein, parce que le mec, il a même pas eu le temps de mettre en place, Écoute, il a fait deux quelque matchs, il a chose. perdu aucun match. Hein. Ah oui, 6-0 contre le Lesotho, 1-1 contre le Cameroun. Ah, je me rappelle. Match qu'on aurait dû gagner largement, mais largement. Face au Tu vois Cameroun? comment? Ah oui, largement, à Ah, domicile. on a les occasions en plus. On a les occasions. Et eux, ils gagnent la CAN juste après. Ouais, Ah bon? c'est dommage. C'est dommage, mais c'est dommage. Écoute, voilà, moi, je le dis, hein, l'erreur, c'est qu'on n'a pas maintenu Vahid. Vahid, s'il était resté, la CAN 2015, il la gagne en Guinée équatoriale. Et il te qualifie à la Coupe du Monde en Russie et tu fais un excellent parcours. Malheureusement, On sait on a. quoi? C'est quoi la cause de son départ à Vaïd? Journaliste. Alors, les journalistes, beaucoup, et aussi le fait que. Alors, le fait que Raourawa, il lui a dit, prolonge. Vahid, il lui a dit, comment ça? Je prolonge et après on va en Coupe du Monde, on se fait sortir au premier tour, on fait comment? Tu vois ce que je veux dire? Il a dit non, on attend et on prolonge après. Raourawa, il n'a pas voulu. Il a carrément ramené Gourcuff à Sidi Moussa pendant que Vahid y préparait son équipe. Ça s'appelle un manque de respect total et un affront. Ouais, Et il l'a ouais. payé, hein. Il l'a payé Raourawa derrière. Hein. Échec à la CAN 2015, échec à la CAN 2017 et échec qualification à la Coupe du Monde. Et c'est Zetchi qui est venu après. La CAN 2015, encore ça allait. Non, ça C'était n'allait pas. pas Ça allait pas parce que un fiasco non plus. pour moi, c'est non, c'est un fiasco. Pourquoi? Parce que normalement, elle était dans ta poche.
Elle était vraiment dans ta poche. Personne ne pouvait rivaliser avec toi si tu jouais comme en Coupe du Monde. Personne ne rivalise avec toi. Après, c'est quand tu joues en Afrique, quand tu joues en Coupe du Monde, c'est très différent aussi, tu vois. Bon, après, c'est vrai que déjà, c'était encore la CAN à 16 équipes. Tu étais dans le groupe De la mort. Sénégal, Afrique du Eh, Sud et Ghana, on est sorti du groupe de la mort, hein, je te rappelle. carrément. Ouais, Hein. mais ça se voyait déjà dans le jeu. C'était pas ça. Contre le premier match contre l'Afrique du Sud, déjà. On s'est fait manger ce match-là, je me rappelle. On On s'est s'est fait fait manger. manger. On se fait. On se fait... Le Le score score ne était un reflète pas très le match. mauvais. Ils nous ont fait, Exactement. ils nous ont fait danser pendant 1 heure. On n'a rien compris. Et il rate un penalty en plus. Je crois que Il c'est. rate un peu... Déjà, le but qu'il marque, c'est une honte. Il dribble tout le monde. Et ensuite, il loupe un penalty, il tire sur la transversale. Et là, c'est le tournant du match. Tournant du match. Et après, regarde, subhanallah. Tu égalises et il marque contre leur camp. Deuxième but, Roulem, il tire fort. Le gardien, il fait n'importe quoi, il rentre. Troisième but, erreur du gardien encore. Déjà là, second match, tu perds à la dernière seconde Ah non, de contre second Ghana. match, je me rappelle Khalid, second match, on n'avait rien foutu. On dirait qu'on ne voulait pas le gagner ce match. On Je voulait me pas le gagner. rappelle. Je me Troisième rappelle, match, on ne voulait bah... pas le gagner. On ne voulait pas le gagner. On avait rien à faire. Qu'est-ce que je te dise? Abder, salam alaikum. Bonsoir, Sahab Ça va, Torkom. Ça va, Khalid? alhamdoulaye, et toi? Ça va, je ne devais pas rentrer, mais je t'ai entendu parler. Je n'étais pas tellement totalement d'accord avec toi, et c'est normal, hein, bien sûr. Toi aussi, tu n'es pas d'accord avec ce que je vais dire. Et il faudrait juste que je te rappelle que je vais parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le football, apparemment, mais qui ressemble beaucoup. Tu sais que je suis architecte. Et à un moment donné, j'avais un cabinet où il y avait pratiquement trois architectes, trois ingénieurs, deux techniciens et un vieux technicien qui n'avait aucun diplôme. C'était mon bras droit. Ça a énervé un peu les autres architectes. Bon, ils étaient jeunes, ils étaient bouillants, mais je n'avais pas besoin de ça. J'avais besoin de quelqu'un qui était sage, qui devait savoir négocier avec. Les autorités, il avait une expérience assez lourde. Mais il était un peu gauche, de temps en temps, il fait des erreurs. Une fois, il m'a coûté pratiquement un contrat complet que j'ai dû rembourser jusqu'au dernier centime à cause d'une erreur fondamentale qu'il a commise. Je m'en fous, mais dans l'ensemble, j'étais gagnant. Pourquoi je raconte ça? Les deux matchs qu'on a joués, personne n'a remarqué une chose, c'est qu'on a encaissé 5 buts. Bien sûr. Ce qui veut dire deux choses. Ou bien on a une défense qui est nulle, ou bien on a un ensemble qui ne sait pas défendre. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, ben, l'équipe nationale, depuis 2019, d'ailleurs ça a commencé en 2019, c'était un bloc qui me rappelait un petit peu le jeu de Cruyff, de l'équipe de Hollande, où il n'y avait pas d'ailier, il n'y avait pas de défenseur, il n'y avait pas de milieu, c'était un bloc, un seul bloc, qui défendait et qui attaquait ensemble. Et en 2019, depuis 2019, ça a été un petit peu le jeu où, si tu te rappelles, la tactique qu'a adoptée Belmadi avec le Sénégal, c'était de gêner Sadio Mané sur son côté, il bloquait à chaque fois. Slimani jouait le rôle d'un défenseur avancé, très avancé, Bounedjah, pardon. Bounedjah qui arrivait à bloquer tout le temps le côté où jouait Sadio Mané, ce qui a empêché les Sénégalais d'arriver à la défense algérienne. Ils devaient se débarrasser d'abord de l'attaque et du milieu pour avancer. Et cette fois-ci, j'ai vu les erreurs qu'ont commis certains joueurs dans le match d'Afrique du Sud. Il restait en attaque, il ne bougeait plus. Il laissait la défense encaisser tous les assauts. Il n'y avait pas cette cohésion entre le milieu, l'attaque et la défense. Il n'y avait pas un seul corps. On l'avait, ce corps-là. Il n'était pas performant à la fin. Il y avait un certain déséquilibre. Mais toujours est-il qu'on n'encaissait pas beaucoup de buts. On a beau en vouloir à Mandy était quelqu'un. C'était pas. Même s'il a faibli, même s'il a vieilli, même s'il a.
même s'il commet des bêtises comme la dernière, il l'aurait commise avant. Il y avait tout le temps quelqu'un qui le repêchait. Il y avait une Sebaïmi qui pouvait le récupérer. Il y avait autant du duo Belhamer-Mendy, c'était une belle équipe, hein, c'était une belle paire. Il faisait des choses. Et Belhamer, il ne restait pas seulement en défense, il allait au-delà. Il prenait des risques. Et même Harez, on a l'impression qu'il est statique dans son aile droite. Ce n'est pas vrai, il n'était pas statique. Il bloquait deux ou trois joueurs qu'il arrivait à geler un petit peu son aile. Bon, ce n'est pas toujours vrai, mais il y avait un ensemble. On sentait qu'il y avait une espèce de cohésion générale, des automatismes entre les joueurs qui faisaient que l'adversaire n'arrivait pas facilement jusqu'au but. Par contre, on avait ce défaut de ne pas finaliser, de ne pas concrétiser durant les phases finales de la Coupe d'Afrique, par exemple. On n'arrivait pas à finaliser, mais on jouait bien. On a bien joué contre le Burkina Faso, on a bien joué contre l'Angola, on a bien joué contre la Mauritanie. Le problème, c'est que de l'autre côté, ils avaient une défense très fermée et ils empêchaient nos attaquants de marquer. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Marocains durant la Coupe du Monde. Ils ont joué un bloc. Ils ont empêché les grandes équipes d'arriver jusqu'au. Ils ne marquaient pas, eux. Ils ne marquaient pas beaucoup de buts. Ils ne marquaient pas du tout, d'ailleurs, hein. Mais ils ont empêché les autres d'arriver jusqu'à. Berghati avait adopté une tactique qui n'a pas marché ces derniers temps avec la Mauritanie. Parce que la Mauritanie, elle a fait près la même chose. Et eux, ils se sont sentis un peu très, très, très champions, très grands. Ils ont voulu attaquer, ils ont voulu marquer. Ça n'a pas marché. Bon, maintenant, je crois que c'est ça le football moderne. C'est un petit peu comme si tu donnais des. Je vais rentrer dans le domaine militaire. Tu sais ce qui se passe actuellement. Le problème avec l'Ukraine, c'est que même si tu leur donnes les meilleures armes du monde, le F-16, les Challenger et tout ça, ils ne peuvent pas. Parce que il ne suffit pas d'avoir une arme très puissante. C'est l'ensemble de l'usage de toutes ces armes combinées. C'est un ensemble, c'est une espèce de plateforme. C'est exactement la même chose partout, partout. Dans tous les domaines, si tu n'utilises pas les moyens d'une manière cohérente, comment t'expliquer? C'est un peu comme dans la construction. Si tu ne sais pas mélanger tous les ingrédients de façon à obtenir un objectif, ça ne marche pas. Même si tu allais. Voilà, il y avait un narrateur qui a enfin, fait un truc, un imbécile de la télé. Il parlait de cuisine. Oui, pourquoi pas? On peut parler de cuisine. Tu as beau avoir les meilleures pièces de viande et les meilleurs produits du terroir. Et si tu n'es pas un bon cuisinier, tu ne sauras jamais les mélanger. Tu ne peux pas manger une à la fois ou tu ne peux pas dire, tiens, il faut que la carotte soit comme ça, il faut que la viande soit comme ça. Non. Tu peux avoir un très bon plat avec de mauvais ingrédients, mais il suffit. Donc, c'est un peu le football pour l'instant. Pour moi, le football, c'est plus le football d'antan, où on avait chaque compartiment était presque indépendant. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de défense, ensuite de milieu, ensuite d'attaque. D'abord, ça dépend de la tactique qui est adoptée par le coach. S'il adopte la tactique traditionnelle 4-3-3, j'ai pas l'impression que tout le monde adopte des tactiques figées ou bloquées durant toute une rencontre. Je pense qu'il y a des adaptations en cours de route. Ça peut faire du 3-5-2 ou juste deux joueurs de pointe qui peuvent faire la différence. Un petit peu dans notre cas, ça aurait pu être Amora et Younes en pointe et un bon milieu à 5 avec dans les ailes. On a Itmouri qui est magnifique, qui peut être ailier et en même temps, c'est un latéral, qui peut être un attaquant, un milieu latéral. Et de l'autre côté, ça peut, Atal est toujours un bon. Mais c'est toujours un système qui doit être complémentaire. Ounes doit savoir que derrière lui, il a des coéquipiers qui savent où il se place, où il a l'habitude de jouer, comment il joue. Mandy, quand il a le ballon, il connaît la position de chaque joueur parce qu'il a l'habitude de jouer avec eux. Je ne suis pas un pro du football, mais j'ai l'impression que cette équipe-là, les deux matchs qu'on a joués, c'était plus du spectacle. Bah, d'abord, c'était des matchs amicaux, les adversaires. L'Afrique du Sud, c'était pas l'équipe qui avait joué durant la CAN, d'après ce que j'ai su. Ils ont renouvelé toute l'équipe.
Ils nous ont donné le point, le pion. C'est pas possible qu'on puisse encaisser trois buts comme ça. C'est pas possible. Non, par contre, non, l'Afrique du Sud avait aligné 7 joueurs de la dernière CAN, pour information. 7 joueurs, c'était pas les meilleurs. Je sais pas. Je sais pas. Je ne peux pas le dire à l'affirmer à 100%, mais c'était pas un foudre de guerre. On pouvait ne pas encaisser du tout ces buts si seulement il y avait une espèce d'abnégation de certains joueurs. J'ai pas senti, par exemple, Brahimi défendre. C'était la star, il fallait qu'on joue sur lui, rien que sur lui. Et puis on laissait un petit peu. D'ailleurs, je crois qu'il a été un peu à la suite d'un but quand Mandi lui avait servi. Je ne sais pas, j'ai pas vu l'action. J'ai cru entendre qu'il a été un peu la cause du premier but de l'Afrique du Sud parce que Mandi n'aurait pas dû lui donner le ballon ou quelque chose comme ça. Ben voilà, on donne ensemble. J'ai l'impression, Petkovic, il n'est pas bête, hein, c'est un coach qui a quand même, il a de l'expérience. C'est un coach, c'est un vrai, qui a mené une équipe, la Suisse, très loin en Coupe du Monde. Bon, maintenant, il a échoué avec Bordeaux. Il faut savoir pourquoi il a échoué, je ne sais pas. Je n'ai aucune donnée. Mais disons qu'il n'est pas bête. Il sait à peu près que le football spectacle, enfin, toute l'euphorie qu'on a eue après le match nul, c'est bizarre. Maintenant, on est très content, très heureux de faire des matchs nuls. C'est les médias, ça, on a compris leur manège. Hein. C'est terrible. Même la FAF est contente. C'est incroyable. Encaisser trois buts. Un match nul à trois buts. C'est-à-dire, on aurait pu faire un 0-0, j'aurais compris. Oui, on a tenu. Mais parce qu'on a marqué trois buts. Bon, c'est vrai que la loi c'est du football, c'est toujours de marquer un but de plus que l'adversaire pour réussir. Ouais, mais il y a aussi ne pas encaisser du tout. C'est meilleur encore. C'est d'encaisser zéro but. C'est la meilleure façon d'aller très loin. Et beaucoup d'équipes ont compris ce jeu. Je répète, je ne suis pas un fan ni un supporter de l'équipe de mes voisins de l'Ouest, mais j'ai remarqué qu'ils ont joué. Ils ont été vicieux durant la Coupe du Monde et ça a marché. Ils ont été très vicieux. Ils ont mis un bus. Bah, bon, on ne va pas faire comme eux, bien sûr, sinon ça ne serait plus du spectacle. On n'est pas capable de faire comme eux. D'ailleurs, ce n'est pas possible avec les joueurs qu'on a, avec toute la qualité qu'on a. Mais maintenant, on a quelques joueurs qui apparaissent, qui commencent à apparaître. Mais rappelez, par exemple, Blayli, comment il s'appelle, Belhamri. Bounjah, Slimani, Mahrez, c'est terminé. C'est pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Non, ils ne peuvent plus faire partie de l'ensemble, de l'homogénéité de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont les empêcher d'agir normalement. C'est pas le coach lui-même qui va refuser. La FAF ne voudrait pas d'eux. Donc, ils ne vont pas être à l'aise. Donc, ils ne vont pas faire partie d'un ensemble homogène. Donc, autant qu'ils soient à côté et que laisser Petkovic créer une équipe carrément à zéro, hein, de zéro. Et même si on échoue, non, là, de toute façon, on a les joueurs qu'il faut. Bien sûr que Mandy va être lui-même, il va être dégoûté. Il a dû se passer des choses dans les vestiaires, c'est pas possible. Non, ça peut pas passer comme ça, c'est pas possible. La venue de Brahimi a bousculé beaucoup de choses. Et c'est un remake de quelque chose qui s'est passé en 2016-2017, je crois. C'est toujours Brahimi à la tête de la Fronde. Il faisait partie des stars de l'équipe nationale, quand Mahrez n'était pas du tout une star. Tu vois, Brahimi a toujours été la star. Donc maintenant, il est redevenu à sa place la star. Et il a ses amis, il a son équipe, il a ses avec qui il peut s'entendre. Non, il peut faire la décision, lui. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas un grand joueur. Il est décisif, mais l'équipe va manquer de fluidité, elle va manquer de rapidité. Ce sera uniquement lui qui va être décisif. Il peut marquer, il peut marquer un, deux buts, un peu comme fera Amora. Mais on n'aura pas la même équipe qu'on a eue depuis entre 2019 et 2024. C'est fini. Ce jeu-là, c'est autre chose qu'il va y avoir. Et est-ce que ça va se faire très, très vite d'ici juin? Est-ce que juin, on aura la Guinée
Est-ce qu'on aura la. Parce que ce sera un match qualificatif, hein, ce ne sera pas un match amical. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous faire des cadeaux, les Guinéens, ce n'est pas possible. Ils vont se battre. Après, le spectacle ne suffit pas. Il faudrait gagner. Ça sera trois remplaçants. Il n'y aura pas cinq remplaçants. Donc chacun devrait mériter sa place dès le début. Il va jouer plein temps. Maintenant, à la défense, qui à la défense? Bon, voilà un petit peu la politique a fait que Medeni est venu. Ah, et maintenant, il a montré qu'il était un peu. J'espère qu'on va tourner la page et on va l'oublier. Il me rappelle Ben Ayed, un mauvais souvenir. Lourdeau, Tugay, c'est fini, il vaut mieux l'écarter, Tugay. Il est lourd, il ne peut pas être un bon défenseur. Enfin, il ne peut pas être un défenseur dans une équipe nationale. Il peut l'être dans une équipe locale. Même en Europe, s'il veut, ce n'est pas un problème. Mais en équipe nationale, on a besoin de défenseurs rapides, très rapides et très forts. Un peu comme l'a été Belhameri, ils m'ont dit. Il faudrait retrouver une belle paire. Ben Sebaïmi, je ne pense pas qu'il revienne en équipe nationale. Je suis convaincu qu'il ne reviendra pas. Je ne sais pas pourquoi, je le saurai dans quelques jours, je saurai pourquoi il reviendra pas, mais j'ai des échos qu'il reviendra pas en équipe nationale. Bien sûr, il y a sa blessure, c'est sûr, mais il y a l'effet psychologique. Parce que maintenant, on dirait que c'est les enfants de Belmadi qui vont payer un petit peu le. C'est eux les responsables. Maintenant, il y a un discours du joueur aussi. A failli en CAN. Qui a failli à la CAN? Eh ben, il faudrait trouver les fautifs. Ils ne le disent pas encore, ils ne le disent pas clairement, mais d'ici quelques jours, ça va se savoir. Maintenant, une nouvelle équipe. Voilà. C'est tout, je ne sais pas. Voilà ce que je voulais dire. Mais je pense que, Khalid, tu ne devrais pas parler d'attaquant. Même Aouar, il est extraordinaire, il est très bon. Je l'ai vu un petit peu dans certains matchs. Mais il n'arrive pas à s'intégrer dans cette équipe, c'est tout. Il n'arrive pas à avoir des mécanismes, des automatismes avec les autres joueurs de l'équipe nationale. Pour l'instant, peut-être qu'avec le temps. C'est Ben Nasser avant. C'est comme ça, Ben Nasser. Ben Nasser, il a récupéré sa place quand il a trouvé des mécanismes avec Ferroli, avec Guediouara, au milieu de terrain. C'était Il une y belle. a des joueurs qui s'adaptent assez rapidement, Oui, d'autres ça c'est qui le attendent de génie. s'adapter. Oui, des grands joueurs. Maintenant, ça dépend, ça dépend. Après, comme dit, ça dépend le coach qui est en place. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Eh ben L'environnement, tout ce qui se passe autour de cette fédération. Maintenant, absolument. pour ce qui est de Petkovic, moi je l'encourage. C'est le sélectionneur de notre équipe nationale, de notre pays. On est obligé. Là, on doit le soutenir, on n'a pas le choix. Il n'a fait que deux matchs pour l'instant. La liste, si ça se trouve, c'est même pas lui qui l'a faite en totalité. Ça, c'est même une certitude. On verra celle de juin. C'est celle de juin qui vraiment va nous donner vraiment une vision sur ce qu'il prône déjà. Moi, bon, après la liste, je l'ai faite. J'ai fait une liste. Elle sera actualisée chaque semaine jusqu'à cette date FIFA. Donc, faut pas oublier que la liste sera envoyée à la FIFA à la mi-mai, donc dans un mois et demi, et que la dernière semaine de mai, on aura la liste parce que c'est vraiment début juin où on aura donc ces deux matchs. Et d'ailleurs, vu que c'est que 8 jours et pas 15 jours comme d'habitude, la date FIFA étant donné qu'il y a l'Euro et la Copa América, donc du coup, il y aura pas de match amicaux. Faudra être prêt directement dès le match contre la Guinée. De toute façon, nous, ce qu'on va rechercher, c'est les 6 points. C'est pas du tout le fond de jeu ou quoi que ce soit, parce que Voilà, c'est trop court, hein, on n'a pas le temps. Donc le voilà. premier match à domicile ou à l'extérieur? À domicile, premier Domicile. match. Bon, à domicile, on est obligé de gagner. C'est-à-dire, on ne peut pas. On C'est est, contre la Guinée. C'est contre la Guinée. Donc mais ça. on est condamné à l'avoir maintenant à l'extérieur. On se suffira de ne pas encaisser de but. Exactement. Dans Voilà. les, deux, dans les cas, on a vu, hein, dans les premiers matchs, on a vu, hein, par la suite, je pense que Petkovic, j'arrive même pas à prononcer son nom. Je ne crois pas à cette histoire de, on va le soutenir. On n'a pas de déco, nous, toi, moi. On est entre nous, on discute. Et je pense que soutenir ou être contre lui, ça. Par contre, les médias, les merdias, eux, ils ont du pouvoir. Oui, Ceux-là, mais eux, c'est mes ennemis jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la oui, fin des temps. C'est pas un les problème. miens aussi.
Mais ceux-là, malheureusement, ils ont un pouvoir quelque part. Ils arrivent à manipuler un petit peu la Parce physique. que ceux qui les soutiennent, sont là pour les Oui, intérêts personnels. Moi, je suis là pour l'intérêt de la nation algérienne, du peuple algérien. Le reste, je je m'en fous sais, complètement. c'est-à-dire on n'a pas intérêt, c'est pas la peine de tomber sur Petkovic, de dire qu'il y a ses Pas du soucis. tout. Non, je pense que Pas du ça tout. sert à rien, c'est inutile. Je pense que ça sera un ensemble, c'est toujours un ensemble. Il y a le coach, il y a les adjoints, il y a le staff technique, il y a les médics, il y a la FAF, il y a les joueurs, il y a les médias. C'est tout cet ensemble qui doit échouer ou réussir ou échouer. C'est pas possible qu'on puisse mettre sur le dos d'un seul ou d'un joueur l'échec. On est tous tombés sur Ben Ayada, qui n'a pas su jouer leur jeu. Parce que c'est vrai, il n'y a que lui dans ce moment-là. C'est-à-dire, ce point-là, c'était lui. Et le seul coupable, c'est lui. Rien d'autre. Parce qu'il n'a pas joué la discipline. Dans ce cas-là, oui, on peut tomber sur un bonhomme. Mais on ne peut pas tomber sur un bonhomme sur 2 matchs, sur un tournoi, sur un ensemble de prestations, sur une qualification sur 5 ou 6 matchs. Là, c'est une équipe complète. Quand je dis équipe, ce n'est pas seulement ceux qui jouent, hein, y compris les chauffeurs, hein, des nouvelles voitures, là, les chinoises. Là. Même ceux-là, ils ont un rôle à jouer. Bon, c'est de l'humour. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est de l'humour. On verra de toute façon, on verra ce qui se passera dans 2 mois pile. Hein. Ça va passer très vite. Hein. C'est pour ça qu'on commence déjà à en parler et surtout le fait qu'il n'ait pas assez de temps pour pouvoir préparer tout cela. Paraît qu'il y a un match avant juin, il y a un match quelque part au milieu de l'inauguration du stade de Tizi Ouzou. Mais l'équipe nationale ne jouera pas. Il n'y a pas de date FIFA. Donc Et ça voilà, veut dire c'est un peu ça. Ouais. l'inauguration se fera par la JSK, tout simplement. C'est leur stade. Non, il y a une rumeur qui a couru quand même qu'il y a une équipe d'Amérique latine qui va venir pour affronter l'équipe nationale. Bah, ce sera une équipe locale uniquement et ce sera un match hors date FIFA. Mais Oui, on verra. hors date FIFA, ce sera quand ça Oui. pas de match FIFA, c'est-à-dire que c'est des matchs qui ne seront pas compris dans le classement, hein, c'est tout. Ouais, c'est tout. Tu n'as pas abordé une question, Khalid. J'ai suivi un peu tes vidéos. On dirait que tu es passé à côté d'un point important. Laquelle? Ce tournoi, il n'y a pas eu de classement ou quoi? Non. C'est des joutes amicales, c'est des matchs amicaux. Pas du tout, c'est un tournoi. C'est un tournoi FIFA, mais il n'y a pas eu de classement. C'est vrai qu'on voit, il aurait dû avoir une séance de tir au but à la fin du match, normalement contre l'Afrique du Sud. Ouais, parce que quand tu vois la Tunisie, non, l'Égypte, je crois, ils ont. Non, je crois la Tunisie contre la Croatie, ils ont fait une séance de tir au but. Et Parce contre que la là. Nouvelle-Zélande aussi. Oui. Ouais, donc je sais pas. Non, il y a eu un classement final. C'est la Croatie, ensuite l'Égypte, ensuite la Tunisie, je crois. Mais chez nous, c'est terminé en queue de poisson. C'est parti comme une sans. Ouais, bon après, comme dit, hein, franchement, pour moi, c'est pas important. C'est pour ça que j'ai zappé le truc. Mais c'est vrai que oui, ils auraient dû respecter le protocole. Bon, ils l'ont pas fait. Peut-être qu'ils n'étaient pas obligés. Ils sont mis d'accord avec l'équipe en face. Et puis voilà, tout simplement. Ok, je veux bien te croire. Tu es malin, Oh, toi. voilà, parce que. Tu es Non, pas malin. du tout. Aïe, aïe, Franchement, aïe. c'est Tu es pas en nord, important. Voilà. tu es en nord, toi. Tu es en nord de faire. Ou tu es au sud. Non, je suis au nord, je suis à la frontière allemande. Voilà, les Nordiques sont toujours prudents. Ils sont pas. Ouais, on va dire ça, quoi. Voilà. Bon, comme d'habitude, je vous laisse. Je vais aller me Merci reposer. beaucoup, hein. Merci Merci, beaucoup, on se Khalid. voit bien. Merci Et des bonne commentaires. continuation. Salut, les Merci amis. beaucoup, ça va. Salut, Écoute, salut, ciao. salut. Ah, je n'étais pas trop d'accord avec ce qu'il disait, hein, la vérité. Mais il a dit qu'on avait fait des bons matchs. La Mauritanie, on a mal joué, mais on Ouais, était on était immonde. nuls contre la Mauritanie. C'est ça le truc. Mais bon, c'est pas grave. Non, en fait, surtout que le match contre l'Angola, on a bien joué une mi-temps, en fait. Puisque le match contre l'Angola, l'entraîneur adverse, il a fait un changement tactique, il a sorti un numéro 9 et il a fait rentrer un milieu de terrain et tactiquement, on n'y était plus. Et à la limite, le Burkina Faso, on s'est créé des occasions, mais contre la Mauritanie, non. La Mauritanie, après qu'ils aient ouvert le score, non, on n'était plus dedans, c'est bon. Mohamed, salam alaikum.
Marco, Ça va? comment ça va? Allez, Alhamdoulilah. Je te voilà. reçois 5 sur 5. Stack, 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 stack. Alors, est-ce que tu n'es stack. pas monté en live depuis le match de l'Afrique du Sud, non? Ouais, je peux m'en dire. Ouais, bah vas-y, donne-moi ton avis sur, enfin, sur le bilan de la dernière date FIFA, les deux matchs, globalement. Bon, alors le bilan, j'étais un peu pessimiste sur l'entraîneur, hein, Kovic, parce qu'on n'a pas vu encore ce qu'il pouvait faire. Le match contre l'Afrique du Sud, c'était un bon match. Le problème, c'est du fait qu'on a affronté l'Afrique du Sud, ça a permis de voir les points faibles de l'équipe, quoi. C'est ça qui est bien. C'est une bonne opposition. Mais il y a du travail défensif. C'est défensif que voilà, il y a du boulot, quoi. Sinon, au niveau de l'attaque, je trouve ça pas mal. Benzia, Brahimi, ils ont prouvé qu'ils devaient être appelés, quoi, pour le match qu'ils ont fait. Après, au niveau défensif, quoi. Ouais. Défensif. Après, je trouve Khalid, Mohamed Ryan, même tous ceux dans le chat, je trouve que Ouais. certains ils ont été un peu durs avec Madani. Parce que certes, il a commis des erreurs, je suis d'accord avec vous. Mais je l'ai trouvé très bon à la relance. Il cassait plusieurs lignes grâce à sa qualité de passe. Et certes, un défenseur, sa qualité première, c'est défendre. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'a pas été dégueulasse non plus, tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il a été intéressant, surtout à sa manière de relancer et son positionnement quand on avait le ballon, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en Après, pensez. il osait un peu, il avait des bonnes intentions, mais ça ne concrétisait pas forcément. Je le trouvais un peu comme un profil de Ben Lamri, mais un peu plus fantomatique, tu vois. Et voilà, Après, son un peu premier moins match aussi, intelligent. hein. Son premier match Donc, en équipe dans nationale, hein. l'emplacement, tactiquement, je ne l'ai pas trouvé bon. Mandy, il était bon tactiquement, mais il a fait quelques erreurs, même sur le but qu'on a encaissé bêtement. Ouais, pour moi, le but qu'on encaisse, le deuxième but, là, Brahimi doit jouer en une touche parce qu'il y a Ben Taleb, je sais pas, vous pouvez revoir le ralenti, il y a Ben Taleb qui est là, qui prend le poste de latéral droit momentanément pour donner une solution à Brahimi. Brahimi doit la lâcher en une touche. Voilà, c'était une petite erreur de la part de Brahimi de la garder, en fait. Et on se Ouais, prend ce but. et Mohamed, du coup, étant donné que maintenant, dans 2 mois, il y aura donc cette date super importante, ça va arriver très vite. T'as pas quelques appréhensions, des craintes concernant notamment je dirais le secteur défensif, même si normalement c'est toute l'équipe qui doit défendre, hein, dès le numéro 9, l'attaquant de pointe jusqu'au défenseur central. T'as pas une certaine crainte et tu te poses des questions, tu te dis mais quel joueur? Parce que quand tu vois Mandy, il y a de la régression, faut pas se le cacher. T'as Ben Sebaini qui est blessé, qui jouera pas jusqu'à l'été au minimum. T'en penses quoi? Je pense que ouais, il y a des craintes, quoi. Après, il faut regarder dans le championnat local. Paradou, je vois qu'ils ont une bonne défense, Paradou. C'est la meilleure défense du championnat. Il faut aller voir Exactement. là quand même, essayer d'en voir un ou deux là de cette équipe, quoi. Pas, Tout bah, de toute bas façon, en défense centrale aussi, hein, il peut être très bon. Touba, il joue pas. Son temps de Hein. Ouais, c'est jeu, ça, il est. il faut qu'il joue. Mais s'il a du Ah. temps de jeu, dans l'axe, il peut faire de. Surtout à la relance. Tu mets Mandy, Ah, tout bas, mais ça nous, de toute peut faire façon, le les taf. amis, là on actualise, on n'est pas genre à une semaine du match. On actualise à chaque fois, à chaque semaine, on parlera de. On fera un bilan justement de pourquoi pas de la liste. Hein. Moi, s'il faut faire une vidéo chaque semaine jusqu'à que ça arrive, tellement c'est hyper important pour nous, ben, on le fera, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, c'est aussi le milieu, vous savez, le milieu. À l'époque, c'était le premier rideau de fer. On avait fait Guli, Guédioura et Bennacer. Là, la formule Belmadi n'a pas réussi à la trouver. Dès que Guédioura a arrêté, parce que derrière, Feghouli, il y a une régression aussi. Mais maintenant, Petkovic, c'est le même problème. Il se retrouve un petit peu avec les mêmes soucis que Belmadi. Alors, c'est vrai que on retient plus, alors je ne sais pas si c'est instinctif, mais on retient plus les 6 buts qui ont été marqués que les 5 buts encaissés. Moi, je pense qu'il faut retenir les deux.
qu'on marque beaucoup, mais qu'on encaisse beaucoup. Khalid, excuse-moi de te couper la parole, si tu me permets, bien sûr. Vas-y. Je pense que les gens ils se rendent pas compte en fait. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas encaisser 5 buts en 2 matchs, c'est pas normal. C'est pas possible. Je peux comprendre ça. Mais les gens ils se rendent pas compte en fait que surtout le deuxième match, l'Afrique du Sud, c'est pas une équipe lambda, hein. C'est une excellente équipe, l'Afrique du Sud, hein. Oui, c'est une belle équipe, hein. Je vais pas parler de leur statut, parce que leur statut, on le connaît, troisième de la dernière CAN. Mais eux, ça fait des années qu'ils travaillent avec Hugo Brousse. Et dès les premières minutes, tu voyais très bien que les mecs, tactiquement, mentalement, c'est des joueurs qui se connaissent, ils ont des C'est une équipe qui est automatismes. en place, bien sûr, Voilà, c'est une équipe. c'est ce que je voulais dire. Et nous, on se cherchait en début de match, parce que là, j'ai le match devant les yeux, là. J'ai remis le match, voilà. Et nous, on essaye des nouveaux joueurs, on a un nouveau sélectionneur. Et je te dis que le match face à l'Afrique du Sud, il me donne beaucoup d'espoir, parce qu'on affronte l'une des meilleures équipes du continent, à mon avis. Ouais, mais n'oublie Avec pas une un. chose importante. Il y a une chose Oui, dis-moi. importante. Bah, c'est une équipe qui joue comme nous, un peu à l'européenne, qui ouvre le C'est jeu. vrai, c'est Ils vrai, c'est sont vrai. pas durs dans le jeu comme des Côte d'Ivoire, des Mali, des Gu tu vois, Guinée qu'on va les affronter. Ça va cogner. Et je pense que les profils qu'on avait de certains joueurs là durant cette date FIFA ne colleront peut-être pas parce qu'on va rechercher au mois de juin. Et c'est pour cela que Petkovic, il va se baser sur ça, notamment pour la prochaine date FIFA, parce que là, ce sera complètement différent. À Bon, nous de après, nous certes, adapter. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'Afrique du Sud, c'est une très bonne équipe, tu vois. L'Afrique du Sud, c'est une bonne équipe, mais après, il faut regarder les buts qu'on a pris contre l'Afrique du Sud, quoi, la défense, quoi. Alors, le premier but, je crois que c'est une perte de balle, non? C'est une perte de balle, si Paire de je. balles de Brahimi devant la défense et Voilà. ça Le rentre tranquille dans la deuxième. surface. Il y a des tacles glissés de défenseurs, ça, je comprends pas. Ouais, ça d'accord. Le Tacle. deuxième but, il y a peut-être un manque de Erreur du marquage. défenseur, il laisse comme ça Ouais, mais le joueur le c'est une belle crocheter. frappe, Après, hein. c'est une C'est une belle belle frappe. frappe, hein. C'est Le une belle gardien frappe. réagit pas. Le gardien réagit pas. Il y a des gardiens, ils réagissent, ils Ouais, mais elle peuvent est la imparable, toucher. Khalid, elle est imparable, la frappe. Oh, ça Elle est dépend, ça imparable. dépend, ça Ah non, dépend. mais le troisième but, les gars, et le troisième but, c'est normalement, c'est un but refusé parce que c'est contré par la main, hein. C'est contré par Non, la main. c'est pas la main. Moi, j'ai vu, Non, c'est non, contré non, sur c'est la pas la main, c'est pas la c'est main. la Ouais, tête. bien vu, C'est la Khalid, tête. bien vu, C'est bien la vu. tête. C'est pas la main. Nous, on se Ah, c'est plaint, la tête. on se plaint parfois, alors Malcolm qu'il n'y a rien Mohamed. du tout. Le but où Vas-y. Mandrei, il relâche le ballon, c'est le deuxième, ça. Non, ça, Non, c'est non, contre ça la c'est la Bolivie, Bolivie. C'est la ça. Bolivie, ça. C'est contre la Bolivie. Non. C'est contre la Bolivie, ça. Ouais, bah on s'est tellement pris de but, Mohamed, que t'as confondu les deux matchs. Mais ce que dit Mohamed, c'est vrai. Le fait d'encaisser 5 buts en 2 matchs, c'est vraiment un axe d'amélioration, surtout défensivement. Là, je suis d'accord avec lui, tu vois. Oh, c'est Mais ouais. dans la mise en place, dans le collectif, surtout l'animation offensive, c'est très prometteur, je trouve. Le point positif, c'est que par rapport à maintenant, par rapport à avant, c'est que dès qu'on prend un but, eh bien, l'équipe, hop, elle revient au score. Elle se remet, elle revient. Ce qu'il n'y avait pas ces derniers temps, quoi. C'est mental. C'est le mental. Moi, j'aimerais Donc. bien dire un truc, les frères, mais je sais pas si Vas-y. vous me rejoignez là-dessus. Mais Non, sous vas-y. l'ère Belmadi, quand on jouait les matchs amicaux, on marquait beaucoup de buts, on faisait des bonnes réactions parce qu'on jouait esprit serein, normal. Mais dans les matchs à effet direct, là, on a peur, on craint un peu. C'est des matchs très serrés, bloc bas. Mais en fait, il faut savoir que quand on joue les matchs amicaux, les équipes en face, ils se lâchent. Ils s'en foutent, ils se lâchent, ils donnent pas, ils dévoilent pas leur vrai plan de jeu. Du coup, nous, c'est comme une dissimulation. Ben, quand on arrive dans des matchs sérieux, et ben là, on sait pas ce qu'on va faire. Donc là, il faut pas trop s'enflammer. C'est des petits tests. Là, Petkovic, il teste les joueurs pour voir qui, dans sa tête, son plan concret qu'il va développer. Là, on a vu qu'on crée plus d'occasions. C'est vrai, là, je suis sûr qu'on se crée plus d'occasions. Après, il faut être prudent. Après, C'est peut-être voilà. attention, il y a plusieurs effets. C'est l'effet première date FIFA. C'est soirée Placebo, de ouais. Ramadan, Exact, exact. c'est des adversaires qui jouent, s'en foutent, hein, ils ouvrent le jeu. Là, ce sera pas pareil au mois de juin. Il y aura pas Exactement, beaucoup de buts, il y aura très peu de buts, il y aura peut-être même pas de buts du tout. Inch'Allah que non, on l'espère que ce sera qu'il y aura des buts. Mais vous savez, moi, si on gagne 1-0 les deux matchs, je signe tout de suite, moi.
Et tu Je vois, sais que Khalid, tu. les équipes africaines, elles ont évolué, mais d'un point, il faut l'assumer parce qu'elles ont évolué, c'est incroyable. Ouais, Tactiquement, exactement. c'est Ah oui, tout ça à fait crée des d'accord à ce problèmes. niveau-là. Ouais, Je c'est suis la tout à fait d'accord. compétence. C'est la compétence. Après, c'est vrai que Petkovic, lui, il est adepte du 3-4-3. Mais il faut C'est les plutôt. joueurs pour. On a les tests. Non, moi, j'ai vu beaucoup. Il y a beaucoup de 3-4-3. Parce que j'ai regardé notamment les grosses compétitions, hein, la Coupe du Monde 2018, l'Euro 2016 en France et l'Euro 2021 qui s'est joué sur toute l'Europe. Hein. C'était pendant le Covid. Et là, j'ai plus ou moins regardé. Alors, lui, il aime bien avoir la possession du ballon. Après, c'est vrai que nous, quand tu regardes les joueurs qu'on a dans l'effectif, tu vois des Ait Nouri, des Attal qui ne sont pas bons défensivement, mais offensivement, ils sont excellents. On a beaucoup de pistons. Et au niveau de défense centrale, on est frêle. Donc, il en faut. 3 au niveau de la défense centrale, on serait plus solide. Mais après, est-ce qu'on a l'effectif et les joueurs pour pouvoir mettre en place ce 3-4-3? Ça prend un certain temps. Moi, je vous le dis, le mois de juin, c'est coup de poker, tout simplement. Et tu peux faire un match pourri, mais tu gagnes. Moi, ça, je signe tout de suite. Ah C'est les ouais. qualifs Coupe du Monde. Ça ne m'intéresse pas de bien jouer. Faut les T'as dit quoi, points, faut les Mohamed? points, faut les points. Fatal, là, il faut pas se louper, quoi, je veux dire. Et... Oui, moi, il n'y a pas de problème. Après, si tu veux faire du beau jeu, écoute, tu te qualifies Après en Coupe du Monde. Khalid, j'ai une question. Après le match contre la Somalie, t'étais satisfait malgré les 3 points? Contre la Somalie, pas du tout. Ah, on est d'accord. Pas du tout. Faut quand même un minimum, tu vois. Ouais, mais là, c'est pas la Somalie que tu affrontes, hein. Là oui, là oui, là oui. Tu affrontes la Guinée qui a terminé quart de finaliste de la dernière CAN. Donc, faut pas jouer au con. Et tu as des excellents joueurs en face. Donc, non, faut pas. Oui, C'est bien pas pareil. sûr. Et surtout, c'est pas le même contexte. Là, c'est Somalie. Il y a Belmadi est encore là. Les joueurs qu'on a l'habitude de voir, ils étaient là. Et surtout, on pensait que Belmadi allait donner les clés aux jeunes. Finalement, il l'a pas fait. Après, on a été un peu rassuré pour Mozambique, surtout en deuxième période, parce qu'en première mi-temps, si c'est pas Mandrea, il y a 2-0 pour le Mozambique minimum. Et ensuite, alors que là, c'est nouveau coach, nouveau groupe, plus ou moins. Enfin, quand je dis nouveau groupe, quelques joueurs nouveaux encore, quelques retours aussi d'anciens. Et surtout, tu affrontes les deux meilleures équipes du groupe, hein, Pau B et Pau C. Donc, attention. Attention, Après, faut pas faire d'erreur. je rappellerai un ancien en défense, hein, s'il n'y a rien à prendre. C'est pas moi. Bah ouais. Bah écoute, déjà, alors, oui, alors déjà, il y avait à la base, le coach, il voulait un défenseur central gauche au niveau local. Riz, il lui a proposé Oumed Enni ou Abdelhaoui qui a Mouloudia d'Alger. Abdelhaoui qui a déjà joué en équipe nationale, qui a joué les Jeux Olympiques avec les U23, qui a joué le CHAN. Vous rappelez au CHAN, la défense centrale, c'était qui? Il y avait une défense à 3. Bouguerra, c'était une défense à 3. C'était Belaïd, Kedded, Abdelhaoui, Kedded et Belaïd. On s'est pris pardon. combien de buts pendant le CHAN? Zéro. Ouais. Après, c'est vrai qu'on ne gagne pas le trophée, mais on se prend zéro but. C'est dingue. Zéro but. Vois? Mais Des fois. tactiquement, même si Bouguerra, comment dire, Bouguerra, ça fait des années qu'il travaille avec les mêmes joueurs aussi. Et ça a travaillé, ça a marché. C'est une bonne chose. Mais je veux dire, ils ont eu le temps de. Les joueurs se connaissaient bien et du coup, ils ont eu le temps de pratiquer plusieurs fois ce système de jeu. Après, il faut qu'on apprenne à être bon contre des équipes qui ferment le jeu. On l'a fait pendant la CAN 2019, on l'a fait pendant les 35 matchs sans défaite. Après, voilà, c'est. Moi, je vous le dis, hein, le traumatisme, certains diront c'est le Cameroun en barrage Coupe du Monde. Moi, je dirais. Ça peut même être la CAN au Cameroun. Hein. Je pense que ça a été le coup de glace. Je pense que janvier 2022, boum. Et j'ai comme l'impression que d'avoir remporté la Coupe arabe, ça nous a porté préjudice. C'est un truc de fou. Parce que juste derrière, ça a enchaîné. Maintenant, il faut avoir les profils de joueurs pour affronter certaines équipes qui ferment le jeu, qui soient dures dans le jeu. Et ça va être le cas contre la Guinée. Surtout Encore Khalid. l'Ouganda, ça va être un peu comme Tanzanie et comme d'ailleurs Mozambique. Mais la Guinée, voilà, faut pas se louper. Surtout Khalid, en fait, la Coupe arabe, surtout que la majorité des joueurs qui étaient titulaires en équipe nationale, t'en avais au moins 4 ou 5 qui jouaient la Coupe arabe. Et du coup, Et mentalement, il a trop forcé. Et il a trop c'est forcé vrai. d'ailleurs Bouguerra, parce que Belmadi lui avait dit de pas trop forcer avec certains joueurs, parce que tous les 3 jours, il y avait un match. Et là, il a forcé, tu vois. Et c'est ça le problème. Maintenant, on Parce va que pas revenir à ça. Il faut qu'on mentalement, c'est regarde devant maintenant. difficile. Ouais, mais maintenant, c'est le mois de juin. Oui, Plus important que le mois de juin. bien sûr, Parce que la franchement. vérité, revenir, ça sert à rien du tout. Maintenant, c'est l'avenir. Alors, Guinée, oui.
vont nous rentrer dedans. Mais il faudra répondre, on sera à domicile, faut faire le job. Ensuite, on ira en Ouganda. Par Oui, contre, Mohamed. pour la Guinée, l'attaquant de Guinée, c'est Guirassy. Donc là, il faut un défenseur. Voilà. Oui. Il faut un Rudiger, quoi. Il faut Voilà. un Rudiger. Il faut un garde du corps. Non, il n'y a pas besoin forcément. Il faut quelqu'un qui va, il va pas le lâcher, c'est tout. Point. Voilà, c'est ça, un Il y garde aura du une corps. tactique de C'est jeu. De ça, toute façon, il exact. va bosser, hein. Petkovic, il va bosser. On verra son. Réellement, on va voir le début de son job en juin. Sur Mars, je vais lui accorder deux choses. C'est que il vient à peine d'arriver. Ça s'est fait rapidement. Tout s'est fait rapidement. La liste, il l'a même pas faite pratiquement. Et surtout, finalement, dans les deux matchs, il a fait des coachings gagnants. Ça a été des beaux coachings. Il fait ses changements assez tôt et c'est tant mieux. Mais il les fait tôt aussi parce qu'on pouvait faire beaucoup de changements. C'était six changements par match. Là, ce sera limité. Donc, faudra pas se louper. Faudra pas Ce se louper. sera que 3, Khalid. Non? Non, c'est cinq, je crois. Ah, quand même. Ouais, C'est quand même. cinq, c'est cinq, c'est cinq. Quand même, quand Ouais, même, c'est quand même. cinq. Ils ont laissé à cinq. À ce niveau-là, ils ont C'est fait pas une bonne mal. chose quand même. Non, 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 c'est bien, c'est bien. Par Mais quand contre, même. je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais offensivement, c'est bien. Mais je veux dire, sur les corners, Slimani, je sais pas, tout le monde l'a mis à la cave, mais je sais pas, ça peut servir, non? Écoute, il y a des choses qui nous dépassent. On ne sait pas ce qui se passe entre la FAF et certains joueurs. Est-ce que le fait que Belmadi soit parti, ben, il y a des joueurs qui ont pris parti pour quitter le navire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En toute sincérité, Ah, on ce sera verra. Hein. un... Ça ouais. peut bien se passer et on le souhaite, comme ça peut mal se passer. Et là, par contre, ouh, ya, 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 ya. Parce que Khalid, franchement, il y a quelque chose à faire avec cette génération, en fait. Bien sûr. Tu peux faire quelque chose de très, 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 très grand Le avec. souci, c'est le temps seulement. C'est Petkovic, il n'a pas beaucoup de temps. Il C'est est pour là pour du ça. court terme. Petkovic, il est là, c'est simple. Il te qualifie à la Coupe du Monde, bah, il jouera la Coupe du Monde et il part. Derrière, il ne restera pas. Ça, c'est sûr et Ouais, certain. c'est En sûr. tout cas, vous aurez quoi qu'il arrive, il y aura un nouveau coach en 2026. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça dépendra aussi de comment dire, quel président de fédération il y aura d'ici là. Si c'est toujours le même, ben, vous reverrez pas Belmadi, ça c'est sûr. Est-ce que vous verrez Bouguera? Peut-être. Peut-être, peut-être, Peut-être. parce Et que... après, les gens qui disent oui, mais Bouguera est solidaire de Belmadi, oui, mais Belmadi, il dira à Bouguera, vas-y. Pour Ah ton oui. pays, vas-y, ne dis pas non. Ah, Voilà, c'est. surtout Bogora, il a dit en fait après la demi-finale du CHAN face au Niger, victoire 5-0 d'ailleurs, il avait dit qu'il fallait me laisser tranquille, que le poste de la sélection nationale A, Oui, parce qu'il il voyait fallait. Belmadi rester jusqu'à 2026. Il me faut encore 4-5 ans. Et je crois qu'il est au Qatar, non? Si je ne me trompe Ouais, il est pas. au Qatar. Mais pour l'instant, on va rester constant. Moi, j'aurais aimé qu'ils soient. Alors, il y a des gens qui disent non, adjoint, il ne peut pas être adjoint Bouguera, il doit être coach direct. Mais moi, si Petkovic, il le prend comme adjoint, moi, je serais d'accord. Hein. Je vois pas où il. C'est pas rabaisser le Bouguera, c'est il prend de l'expérience. Il était bien l'adjoint de Belmadi, non? Regardez Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, il a Oh, été je sais entraîneur pas. du Real Madrid et compagnie. Il est revenu à Man United en tant qu'adjoint de Ferguson. Et après, où est le mal? Je vois pas où est le mal. Hein. Khalid, je pense qu'ils ont proposé à Bouguera une option pour remplacer, je sais pas, pour être adjoint de Petkovic où il a refusé un Je poste. sais pas. Juste Moi, une seconde. Hachmi, est-ce que tu peux mettre la caméra, s'il te plaît, juste avant que je puisse te faire monter? Si ça ne te dérange pas. Juste par mesure de sécurité. après, Bouguera, je Ah, pense c'est que. bon. Impeccable, 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 impeccable. Bouguera, je pense que c'était la dernière Hachmi, option. salam alaikum. Salam alaikum, c'est moi, hein, t'inquiète pas. Oui, parce qu'il n'y a pas la photo, c'est pour ça. Il n'y a pas la photo. Ah, non, non, j'ai même pas compris la dernière fois, il ne me demandait pas. En fait, j'ai refait l'inscription à nouveau. Ah Quand bon, j'ai ah bon. cliqué sur le lien, il m'a dirigé vers une autre page, je sais pas. Khalid Ouais, comme bon, c'est pas grave. Tahadrou, Oui, j'interviendrai tranquille, il n'y a tranquillement. pas de souci. Vas-y, Mohamed, tu disais. Je pense que c'était la dernière fois. Au début, il y avait trop vite et. Je t'entends pas bien, Mohamed. Vous m'entendez là? Voilà, c'est mieux là. Vas-y. Je Mieux. pense que Bouguera, c'était la dernière option qu'il y avait. C'était Petkovic et comment il s'appelle? Et Queiroz Caroche. T'avais Renard et aussi? Pesero. Non, Renard, Renard, écoutez, Pesero. Renard, il ne va pas prolonger. Bon, les gens, ils parlent de lui au Maroc, mais Maroc, ils ne vont pas se séparer de Regragui, du moins pour l'instant. Non. La pression, elle est énorme sur lui.
Ensuite, pour ce qui est de Renard, bon, il a des propositions intéressantes, hein. Il peut, franchement, le Nigeria serait taillé pour lui. Pas le Cameroun, parce que c'est instable. Le Nigeria, ce serait bon pour lui. Mais sinon, et en plus, je crois qu'il a déjà été au Nigeria en tant qu'adjoint. Ou alors, c'était au Ghana, je crois, au Ghana. Non, le Ghana, je pense pas, parce que le Ghana. Ghana, ils ont déjà pris un nouveau Non, non, je te sélectionneur. parle, il était au Ghana. Il était au Ah, il Ghana en tant était, il était. qu'adjoint de Claude Ah, Leroy, je crois. Mais sinon, ok. il y a la Corée du Sud. Corée du Sud, il sera tranquille. Il pourra travailler tranquillement. Renard, c'est un excellent coach. Mais imagine, tu le ramènes en Algérie. Non, Déjà bah, que moi, je. Belmadi. Non, mais Il détrompez-vous, Renard, il avait a. plus ou moins dit qu'il était intéressé, mais il fallait attendre fin août. Mais il a L'Algérie entraîné, pouvait pas prendre. il a déjà entraîné l'USMA en plus. Ouais, exactement. Il connaît l'environnement algérien en Ouais. plus. Hachmi, Voilà. salam alaikum, sahab Turk. Salam alaikum, les amis, sahab Turkum. Ça Saftoko. va? Ça va et toi? Saftoko. Ouais, alhamdoulillah, Alhamdoulilah. Alors, ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y j'aimerais a? bien que Ça tu me fait... parles. Parle-moi un petit peu de la Oui. vidéo là qui a tourné partout là entre Brahimi, Belmadi et tout. Khaled Hajme, Oh. excusez-moi, je vous coupe, je vous laisse là, et comme ça, bonne fin de live. Wansef, Merci merci beaucoup, beaucoup. Kroya. Ciao, Salam ciao. alaikum. Salam. Je viens de terminer une vidéo, j'en ai parlé. En fait, mon avis, j'aimerais pas m'étaler là-dessus, en fait. C'est encore mieux, je crois. Ouais, j'aimerais pas m'étaler. Je voudrais même pas vérifier si elle est d'aujourd'hui, d'hier ou de demain, en fait, tu vois. Et Exactement. Si elle est entière ou pas. si elle est entière, elle est véridique ou pas. En fait, c'est des relations humaines et je voudrais pas utiliser les relations humaines pour parler après. En fait, je voudrais pas prendre position pour qui que ce soit. Tu Voilà. as raison, parfaitement. Je voudrais pas. En fait, Belmadi n'est plus là. Ça y est, c'est une réalité. Maintenant, on peut aimer quelqu'un ou ne pas aimer, ne pas le respecter. Tout simplement. L'essentiel, c'est que quand Brahimi, il est appelé ou pas, il fait son boulot et Belmadi, il a gardé une trace, il a contribué à gagner une Coupe d'Afrique. Voilà. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est ce que peut contribuer chacun d'eux ou là, chaque joueur ou là, chaque sélectionneur ou quelqu'un qui veut ou vient travailler en Algérie, ce qui peut apporter, ce qui peut laisser après leur relation bien Non, je peux avoir un avis, tu vois, mais il n'est pas important en fait. C'est pas important du tout. Oula. Non, je pense que c'est juste, j'espère juste que c'est pas On a assez une polémique, vidéo. Khalid, à la belle que. En fait, c'est ça ce qui me. Il y a aussi de polémiques partout, tout le temps, et il faut toujours vérifier si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est une perte de temps. Ah, c'est ça. J'espère que c'est pas vrai. Et même si c'est vrai, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas changer le monde, hein, incroyable. Non, mais ils essaient. J'ai l'impression que c'est juste pour essayer de salir l'image de Belmadi, alors que. Si, même Et si c'est la pourtant, réalité, même si c'est la réalité, pour moi, c'est le plus jeune qui doit aller saluer le plus âgé, surtout on est en période Ramadan et on est des musulmans. Au minimum, salam alaikum ikhlas. On ne te demande pas de partir en vacances. le photographe, je le connais. Le photographe, je le connais. C'est le photographe qui a couvert le match Égypte-Algérie aux Émirats. C'est le même photographe qui a couvert les Jeux arabes à 2021. Je rentre sur son Insta, il n'y a rien. Je rentre sur son Twitter, il n'y a rien. Je rentre sur sa page Facebook, il n'y a rien. Et la vidéo, elle circule. Donc, tu vois, il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin. Tu vois. C'est malhonnête, tout simplement. Voilà. C'est malhonnête. Sinon, concernant, pour oublier tout ça, concernant, alors moi j'ai déjà fait la liste des 23 pour le mois de juin, en prenant en compte le fait que la dernière fois c'était 31 joueurs et qu'en plus tu as des joueurs qui ont quitté le groupe, des joueurs qui étaient blessés, des joueurs qui se sont blessés et qui ne seront pas là, notamment Ben Sebaani, Allah et Shafir, et le fait aussi que Petkovic a dit que peut-être que certains joueurs, j'aurais dû les convoquer, j'ai fait une erreur, et ils seront là au mois de juin. Donc en gros, en juin, ce sera réellement la première liste de Petkovic. Alors, comment tu vois les choses par rapport à ça, étant donné que le temps est super court? Je rappelle que pour envoyer la liste à la FIFA, je crois que ce sera à la mi-mai, il faudra déjà envoyer la liste des joueurs convoqués pour ce regroupement. Alors comment ça va se passer? Comment tu vois les choses?
Il a 60 ans. Il a 60 ans, je crois qu'il a du métier. Moi, j'avais dit, c'est toi et sur ma page, que pour moi, c'était pas lui qui avait choisi l'équipe. Il a pu voir plein de joueurs, il a pu donner de la confiance ou là, du temps de jeu à quelques joueurs et pas d'autres. Je pense que maintenant, il a le temps. Hein, tu sais, avoir 10 jours, monsieur, comme avoir deux mois, par exemple. Exact. Donc, il va peut-être sillonner, aller voir des matchs. Il a un banc, il a quelqu'un de très, très pro pour superviser les matchs, les anciens matchs. Il peut envoyer son adjoint. Je pense que il connaît son métier. Je pense à 60 ans, si tu connais pas ton métier, ben c'est voilà. Donc je On pense est qu'il connaît d'accord. son métier, voilà. Maintenant, il connaît pas l'Afrique. Est-ce Ouais. que Dries, ou là, il aura le bagage nécessaire ou là, pour essayer peut-être l'aider positivement pour le mettre dans le ou là pourquoi pas organiser, je sais pas moi, un match d'aller les après en Afrique ou il chauffe pas avec les conditions, je sais pas. Après, comme tu as dit, le chantier est énorme, on l'a vu. Il y a beaucoup de Il l'a satisfaction. dit lui-même, il l'a dit, j'ai du pain sur la planche. Voilà, il y a beaucoup de satisfaction individuelle, quand je dis individuelle. Après, le fond de jeu, qui doit jouer, qui ne doit pas jouer, on a tous remarqué, quand tu vois les stats des deux matchs, par exemple, c'est quelqu'un qui a un jeu direct, qui pas beaucoup sur la possession de balle. Il faudra trancher des fois dans des postes. Si tu veux de la possession, si tu veux pas de possession de balle, est-ce que tu vas sacrifier Brahimi ou là tu vas continuer à garder Brahimi et par exemple d'autres joueurs? Est-ce là central, comment tu vas faire? J'ai entendu une rise à la radio. Il a dit que il a voulu un axial qui joue du pied gauche. En fait, ça déjà ça prouve les boulots, un axial qui joue du pied gauche. Lui, Et il il en connaît avait pas. deux, voilà. Voilà, il en avait deux. Il connaît Abdellaoui, il connaît Belaïd, il connaît. Il a, tu vois. Maintenant, c'est la charnière, c'est le milieu de terrain. Est-ce qu'il va garder ou la donner confiance encore à Ben Taleb, tu vois, ou le Petite sacrifier? parenthèse, Hachmi, il est 3 heures du match chez nous. Et voilà. Ah L'heure oui, t'as d'été. vu, on a tout de suite. Ouais. Eh Là, bien, on donc. aura vécu l'heure d'été. Mashallah. Ouais. En Eh direct, il ben, fallait. Voilà. exactement. L'avant-centre, on n'a pas d'avant-centre à part Bounedjah. Bakara, ça sera un bon 9,5. Mais je pense que, parce qu'il a d'ailleurs tous les deux buts, ou les passes, tu vois, le profil Théo, c'est pas quelqu'un qui va être en pointe tout seul. Exact. Est-ce que ça sera du 4-2-3-1 ou ça sera du 4-4-2? Est-ce que il sera assez fou pour jouer avec trois défenseurs en Afrique à 14, à 14 h de l'après-midi? Tu vois, tout ça, on va le voir en juin. C'est une période d'attente. Je pense que nous, on va attendre, on va soutenir, faire confiance à ce sélectionneur-là, parce que pour moi, je lui donne des circonstances à 100% concernant le tournoi. Ah, Un bien 9, lui. sûr. Pareil. 100%. J'ai une question. Ça veut. Une question. Oui, tfaddal. Est-ce qu'il y aura un match amical avant Tu le jour? vois? Pas parce que la date FIFA, elle a été raccourcie. D'habitude, mois de juin, c'est 15 jours. Là, c'est que 8 jours parce que ben, y a l'Euro, il y a la Copa América. Donc, c'est raccourci. Il les verra pas, Mohamed. Il les verra pas. Il les Ah. verra pas. Est-ce que Mahrez revient? Je ne sais pas. On peut rien savoir. La chose qui est sûre, c'est que déjà sur le 31, tu dois en abandonner 8. Sur les 31, il y a plein de joueurs qu'on n'a pas vu jouer. Et donc, il y a deux possibilités. Leur profil ne plaise pas à M. Petkovic. Ou voilà, c'est lui le maître à bord. Hein, c'est comme ça. Hein. Mais une autre question, est-ce qu'on ne doit pas rappeler l'un ou deux anciens pour la défense? Khalid. Bah, moi j'y ai pensé, hein, c'est Moi aussi, mais après. moi j'ai carrément dans la liste que j'ai faite,
Ouais. La liste que j'ai faite, je ne sais pas si tu l'as vue, Ashmi, mais... Je l'ai vu, je l'ai vu. Ouais, En bah, moi, fait, je te... normalement, tu devrais mettre Petkovic, comme ça, c'est toi qui prends le risque. Non, mais... franchement, la vérité, C'est dur, oh. C'est dur, la Khalid, c'est défense dur. centrale, je ne me suis pas cassé à la tête. Je me suis dit, allez, on va mettre deux charnières qui jouent ensemble. Après, on pourrait même mettre aussi Abdelhaoui et Ben Lamri. Au fait, parce qu'on est pris par le temps, c'est pour ça que j'ai proposé ça. On est juste pris par le temps. Sinon, je sais très bien que Mandy il sera dans les quatre défenseurs centraux. Après, pour les latéraux, je ne me suis pas trompé. S'il n'y a pas de blessure, ils sont tous là. Les milieux, à un ou deux près, ce sera cela. Offensivement, pareil, un ou deux près, ce sera cela. Mais on verra. L'attaque cause problème, l'attaque cause problème. Ben, moi, j'ai Bounedjah, je l'ai enlevé. Hein. En gros, en buteur, bon, Bakrar 9,5, Mais sinon qu'est-ce que c'est tu vas Gouiri. faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rappeler Slimani pour les demain? Slimani en attaque. Je sais pas. Sur les corners, ça peut être utile. Est-ce que c'est un choix du coach? Khalid, Oui. tu as un objectif de match. Après, tu auras le temps. Tu Après, tu sais as le temps en que. septembre, c'est ce que j'ai dit, ouais. Non, même plus, hein, parce que ils sont en train de parler de changer plein de choses concernant les qualifs Cannes. Ça parle à droite, à gauche. J'ai lu quelques Oui, articles, parce je qu'on ne sais sait pas. toujours pas quand aura lieu la CAN. En plus, le tirage au N'y a pas sort, de tirage. Il n'y a pas de tirage. bah, le tirage, bon, il y a eu les préliminaires, là, ça y est, ils sont passés. Maintenant, on attend le N'y a pas tirage, la date, quoi. de... Par contre, ça, c'est scandaleux quand même de pas avoir de date pour la CAN. Je sais pas, moi, l'Afrique, Non, parce que la FIFA organise la Coupe du Monde des clubs en l'Amérique. été, enfin juin-juillet, pour une répétition générale avant la Coupe du Monde en Amérique du Nord. D'ailleurs, les États-Unis qui organisent la Copa América en plus cette année, donc ils organisent tout en fait. En même temps, ils ont tous les moyens. Mohamed aussi, le problème, c'est que les autres organisations régionales, que ce soit l'UEFA, la CONCACAF ou l'Amérique du Sud ou l'Asie, ils ont le droit de choisir. L'Afrique, non. Parce Pourquoi? que ouais, c'est parce que c'est chapeauté par la FIFA, c'est tout. Non, mais c'est pas logique. Normalement, je pense que la CAF est apte à pour moi, Khalid. Ouais. Ils font une impasse sur la CAN 2025. C'est-à-dire, pas de Coupe d'Afrique. Ils la mettent, je sais pas, en tant que préparation, ils la mettent en décembre 2026 ou je sais pas. Parce que pour l'instant, ce qui est maintenu, on les connaît, les dates de c'est Mais cette c'est de de la septembre folie, à Khalid. novembre, Tu mais vas jouer 6 matchs en 3 mois. 6 matchs en 3 mois. on l'a déjà fait, hein. Oui, parce que il y a eu. Il y a eu des retards, que ce soit pour les organisations de Coupe d'Afrique, il y a eu des Bah, d'ailleurs, la défections. dernière fois qu'il y a eu lieu, que ça a eu lieu comme ça, c'était pour la CAN 2015 qui devait être au Maroc et le Maroc ne l'a pas organisé. Exactement, Il y avait eu septembre, exactement. octobre, novembre. C'était juste après la Coupe du Monde au Brésil. Maintenant, le Pas joué. problème, c'est oui, alors ils veulent organiser en juillet, août, mais déjà, ça va. Les joueurs, comment ils vont être? En plus, ce sera le début des championnats. L'intersaison, ça se passe comment la préparation? 45 Et degrés au moins. les stades de Agadir et le stade de Marrakech, celui qui tombe dans cette poule-là, hein, Par il contre, pourra tu joues souffrir. à minuit au Yarbé. Par contre, il y a une Hein. solution, oui. Si tu joues les matchs à 22h, oui, mais tu fais chaud. Ouais. Bah, Coupe du monde des clubs qui est plus fort que des pays africains. Bah, c'est ouais, voilà. C'est des sous, c'est toujours des sous et des Et le sous. Maroc qui ne veut pas, ils ont dit, si c'est pas en été, limite, ils laissent tomber. C'est pas eux qui l'organisent et ce sera en janvier 2026. Je chauffe avec toutes les récits. Je pense qu'ils ont raison. Dans un Oui, sens, ils ont raison. non, Ils ont non, ils ont raison. raison. Et ils veulent en été. Non, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont Sinon, raison. ce En sera en fait. hiver. Si c'est en hiver, ben, ce sera notre pays. Mais tu trouves normal qu'on attribue une organisation. Bon, c'est la CAF, on la connaît depuis très longtemps. En fait, c'est le jour de l'attribution où tu décides de tout. Où C'est tu te n'importe fais un tirage, où tu fais tout, Khalid, tu fais tout. Tout Tu est fais le important. tir. Ah, tu fais tout. Tu fais même le tirage. Tu connais les matchs préliminaires. Donc, tu mets le A, le B, le C, D, le D, comme le Exact. font tout le monde. Tu C'est vois, ça. tu fais un tirage, tu prépares tout. Comme ça, parce que c'est une sélection, c'est pas un club. En fait, les joueurs, tu les as pas tout le temps. Tu vas les avoir pour 3, 4 jours. Et maintenant, la CAN, ça donne des sous.
Donc maintenant, il y a plus d'engouement à jouer une CAN, à gagner des sous, tu vois. Donc Mais comme tu parles c'est de devenu important pour tout le monde, Mohamed. C'est devenu important pour tout le monde. Mais comme tu parles de sous, est-ce que 2027, ils vont pas la donner au Qatar? Non, faut pas abuser non plus. Mais bon, apparemment, le Qatar, apparemment, il va organiser beaucoup de compétitions pendant je ne sais pas combien d'années. Donc après, eux, ils ont les stades pour, ils ont les moyens. Mais non, non, la CAN 2027, normalement, elle sera en Afrique de l'Est et ça fait très longtemps d'ailleurs qu'ils l'ont pas organisée. Et je Ils leur seront souhaite jamais d'être prêts. prêts. Hein. Ils Tu seront crois? jamais prêts. Ah ouais. Bah, ils ont Alors? besoin de deux stades chacun. Hein. Est-ce qu'ils ont des stades de l'Est? Ou au Kenya? Zimbabwe? Kenya, Tanzanie, Ouganda. Non, Ah, Khalid, l'Ouganda, vous avez. ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le, avec le respect qu'on doit à tout pays, tu vois. Pas les... Voilà. Et Je encore, vois. et attention, Côte d'Ivoire, pourquoi ils ont été prêts? Parce qu'elle a été décalée, parce qu'ils ont Non, accepté de l'organiser plus oui. tard. Ils ont accepté de l'organiser plus tard, et en plus, après, ils ont accepté de l'organiser en hiver et pas en été. Donc, du coup, ils ont encore gagné du temps. Ils ont gagné presque 2 ans et demi en tout. Le Cameroun, c'est pareil, ça a été décalé. Bon, voilà, tout a Cameroun et été les décalé. profits que le Japon c'est quoi Au fait, ça? c'est simple. Depuis la révolution de certains pays dans le continent africain, tout a été décalé. À chaque fois. Décalage, Non, décalage, Khalid, décalage. c'est les casseroles. Chauffe. Il y a normalement, c'est des casseroles qu'on traîne depuis Hayatou. En fait, Hayatou, lorsqu'il a désigné 4 pays organisateurs, tu te rappelles, il devait attribuer 2 CAN, il en a attribué 3. En fait, on traîne la Coupe d'Afrique de Guinée depuis 2012-2013. Il a donné la Guinée en 2023, tu te rappelles? Ouais. Ouais. Par Voilà, contre, ils sont passés par. Voilà, et c'est ça, on traîne des casseroles. Le Cameroun n'était pas prêt, donc qu'est-ce qu'on fait? On décale, on donne ça à l'Égypte, le Cameroun après, et on décale la Guinée, alors que la Guinée, on lui a. La Guinée, 10 ans, ils n'ont même pas pu jouer chez eux. mais La attendez, Guinée. il y a une chose aussi, quand on a attribué ça au Cameroun et à la Côte d'Ivoire, c'est qui est venu regarder ou qui a inspecté les pelouses? Ça, là, C'est le Père Noël. non, parce que Non, quand c'est là, c'est pour non, ça. c'est le Père Noël. Il n'y a pas d'inspection. Les seules inspections, c'est quand ils viennent en Algérie pour vérifier si la chaise elle est bien vissée. Mais C'est tout. quand c'est en Algérie, ils ont ramené des experts allemands. C'est quoi? Ouais. La Coupe du Monde, c'est Moi, j'espère qu'on l'organise jamais. ouais, c'est On bon. l'organise jamais. Moi, je veux qu'on soit une équipe qui gagne des trophées. Je veux pas qu'on dise oh merci pour l'organisation. L'organisation, on gagne rien du tout. Non, non, c'est bon. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on vaut. Voilà. Coupe du monde, mon ami. Moi, je veux une Coupe du monde. Moi, je veux. Si on a la santé, on est encore en vie, aller aux États-Unis Ah, regarder notre équipe nationale. voilà, exactement. C'est tout ce que je veux, moi. Après. D'ailleurs, tu parles de Petkovic et de ce qu'il peut choisir comme équipe et l'arbitrage a encore un problème, encore. On va voir si cette fédération qui a de l'expérience de coulisses va faire le job. Nous attendons cela. En tout cas, pour l'instant, à la CAN, on a vu. Lors du tournoi, là, même si on s'en fout, c'est un tournoi amical, on a vu aussi un petit peu. Mais c'est surtout à la CAN. À la CAN, moi, j'ai vu qu'on s'est fait bien arnaquer lors des 2 premiers matchs. Si à la VAR, dans les 2 premiers matchs, tu gagnes, tu as 6 points et le tournoi change. Mais Malheureusement, voilà. une question, le dernier match qu'on a fait contre la Mauritanie, le président de la Mauritanie, il n'était pas assis sur le banc de touche dans le match. Je sais pas. Après, tout est normal, hein. Moi, ça me rappelle celui du Koweït pendant la Coupe du Monde 82. Il est descendu sur la pelouse, hein, pour annuler un but. Et il n'y avait pas de VAR à l'époque. C'était contre la C'était face à France. la France, contre la France, Ouais. ouais. 4-1 ou la 4-2. Hallucinant. Hallucinant. Il leur a dit, vous refusez le but, sinon je vous donne plus de pétrole. Ah, c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. Non, voilà, on va surveiller un petit peu la situation des joueurs à chaque fois. Temps de jeu. Ouais, mais. Il peut tout se passer au mois de juin. Si ça se passe bien, on sera content et c'est tant mieux pour Petkovic et les Il faut que joueurs. nos joueurs jouent des matchs. Il faut du temps de jeu. Ah, il faut du temps de jeu. Il Benrahma faut. était remplaçant, Benzia et les champions sont joués. Ils ont été Exactement. champions, ils ont 26 points d'avance. Ouais, La c'est un question. championnat, ça. La Ah.
question, après les dates de juin, c'est quoi les matchs qu'on va jouer? Il n'y a pas d'élimination. C'est qualification Coupe d'Afrique au Maroc. Donc septembre deux matchs, octobre deux matchs, novembre deux matchs. Voilà. En 3 mois, on aura terminé les qualifs. À condition que ce soit maintenu. Parce que, bon, pour l'instant, c'est maintenu. Mais normalement, s'il doit y avoir tirage au sort de la compétition, c'est là, avril. Avril, il devrait y avoir le tirage au sort. Étant donné que c'est en septembre, ils ne vont pas faire le tirage au sort au dernier moment. C'est impossible. Sauf si tout est décalé encore. Mais là, ça va être un. De toute façon, le Maroc, ils ont dit, hein. C'est ou l'été ou alors rien. Et si c'est pas en été, ils vont la laisser tomber. Et comptez pas sur l'Algérie pour récupérer jamais de la vie. Il manquerait plus que ça, franchement. Oh là là, ce Qui serait un... va récupérer? Personne voudra récupérer. Personne n'est prêt. C'est le Qatar, comme tu l'as dit tout à l'heure. Va C'est le Qatar ou bien l'Afrique du Sud. On va dire, c'est bon, on l'a fait en hiver. Il n'y a pas de souci. Non, non, l'Afrique du Sud, ils postulent pour la Coupe du Monde féminine. D'ailleurs, c'est cet été qu'ils vont dire où elle sera en 2027. Donc, Oui, mais maintenant, est-ce que la FIFA, elle est aussi puissante pour obliger les grands clubs, les trucs, parce que maintenant, la Coupe d'Afrique, tu vois, il y a quand même de grands joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Même l'Arabie Saoudite, elle est en train de donner beaucoup de sous, tu vois, c'est des salaires de oui. fou. Donc, ils ne vont pas accepter. Parce que, accepte pas l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, maintenant, ils ont un championnat, je dirais, digne des 5 championnats concernant le nombre de journées de championnat, hein, pour être Bien convenu. sûr, bien sûr. Ah, maintenant, ils jouent 38 matchs, etc. Donc, ils ont besoin de leurs joueurs. Ils donnent 35 millions, 25 millions à l'année pour 9, 7, 8 joueurs dans un club. Il y a 6 clubs. Ils donnent des salaires que même en Europe, ça, tu vois, ça ne peut pas. Et donc, ils ont le droit aussi d'exiger, de protéger. Je pense que la FIFA est dans de beaux draps parce qu'ils ne laissent pas l'Afrique décider de son sort. Bah, ça a toujours été comme ça, le continent africain, de toute façon. Et c'est pas prêt de changer, j'ai l'impression. C'est quand les élections de la France bientôt? 2025. C'est l'année prochaine. C'est qui, Mossipé encore? Non, il part. Ah bon? Ah oui, il part. Il veut devenir, lui aussi, il veut devenir président, il veut devenir ministre. Non, non, il part. Ah ouais, hein. Il part pour aller à la FIFA ou? Non, pour chez lui. Ah oui, Des ça va aller. ah, Prétentions pas le politiques. président Ah de son pays. Ah oui, il va se lancer dans la politique. Ouais, ben, s'il bosse comme il a bossé en tant que président de la CAF, bonne chance hein, pour l'Afrique du Sud. Hein. Bon, Après, après, on tu vas me dire, c'est verra, pas. hein. On verra le Sénégal ou le Maroc, hein. C'est les plus puissants maintenant. C'est les plus puissants, hein, maintenant. Maroc, il va prendre. Ouais. Et l'Algérie, pour faire sa place, il faudra déjà que les Algériens entre eux soient solidaires, mais c'est loin d'être solidaire. Hein. Chacun pour soi, j'ai l'impression. Les intérêts personnels avant les intérêts de la nation. Malheureusement. Incroyable. Bah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. On n'est pas à ça près. Hein. Maintenant, voilà, nous, en tout cas, voilà, on soutient le coach et l'équipe, Dommage. bien sûr. Après, j'espère qu'on subira pas d'injustice une fois de plus. Hein. Déjà hier, c'était une date catastrophique pour nous, hein, il y a 2 ans. Là, j'ai même pas, j'ai vu ta vidéo et tout, j'ai dit, oh, Non, mais tu as bien fait de pas regarder, parce que sinon, c'est pas bien. Mais non. c'est juste pour que ces choses-là ne se rééditent pas, et nous verrons si cette fédération pourra protéger cette équipe et ce coach-là. En tout cas, le coach, il va péter un câble. Ça, c'est sûr et certain. Et j'ai hâte de voir qui seront les arbitres du match contre la Guinée et contre l'Ouganda. Voilà. Ce sera super important. Comment les avoir les arbitres là, 24 heures avant le match ou Non, non, non. Genre 2 semaines avant, un truc comme ça. 2 semaines, ouais, 2 semaines, tu vas le faire Ouais, avant. 2 semaines avant. Oh, Il y a on des verra d'ici là. arbitres qui ont été écartés, Bondo et tout Oh, ils ont pris leur retraite. Bah, ça. Gassama, il a pris sa retraite. Hein. Il va bien manger. Oui. Ouais. Ah. Bon. Bah, écoutez, on va terminer le live, les amis. Hein. En tout Oui, cas. à 3 h du matin là-bas. J'ai À oublié de 3 prendre heures, le on a live. changé d'heure en direct. Hein, donc, ça fait plaisir. En tout cas, Eshmi, Je te Sahaskol remercie, moi Khouya, aussi, Mohamed ça sera aussi, toi incroyable. aussi. Excellente Assalamu alaikum, la soirée. famille. Merci Salam. beaucoup. Hein. Saha. Voilà les amis, bah c'est la fin du live. Bah on se retrouve, on verra demain, je vous tiens au courant.
On verra. Peut-être demain, ouais, peut-être demain après. Bah oui, après le match, le Classico, OM-PSG, ouais, bah, il y aura un live demain. Il y aura un live demain, mais après, on va calmer un petit peu. Mais il y aura régulièrement quand même des lives. Ne vous inquiétez pas pour ça. Après, il faut juste qu'on trouve des sujets parce que sinon, on va se répéter. On va se répéter. Et là, c'est surtout maintenant la situation des joueurs en club qu'on va suivre. Bon, après, comme dit, c'est le Ramadan aussi. Donc, ce n'est pas dérangeant de faire des lives pendant le Ramadan, mais dès qu'il se terminera le Ramadan, Inch'Allah, ce sera différent. N'oubliez pas les doigts, Salat, c'est peut-être la nuit du destin ce soir. Profitez de prier sur les 10 dernières nuits, hein, parce qu'on ne sait pas si on a commencé le Ramadan à la bonne date ou pas. Donc, pour la mesure de sécurité et d'être sûr de tomber sur la nuit du destin, les 10 jours. Merci à Face et Touko, des modérateurs et à Tekom Saha toujours au top. Merci à tous les abonnés qui étaient là dans le chat. Merci aux intervenants et à Tekom Saha. On se retrouve demain soir après le Classico OM-PSG, donc demain live à 23h, heure française, 22h, heure algérienne. Donc demain, c'est reparti avec la précision pour les heures. On est à l'heure d'été. Énorme pensée à nos frères et sœurs en Palestine occupés exactement, Habib. Tahia al-Jazair, Allah yarham shuhada, Palestine shuhada, et Saha sourkoum. Assalamu alaikum.